Tout le monde, hello hello, comment ça va? Comment est-ce que se passe votre vendredi? On est vendredi aujourd'hui, eh oui. Comment se passe votre après-midi? J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Salut Mim, salut Lyra, hello tout le monde, salut Re, Aronix, salut Joe et salut Julie, comment est-ce que vous allez? Ouh! Eh ben Aronix, on fête ça bien hein? 4 mois, merci beaucoup. Bah, j'aurai l'occasion de te remercier juste après, puisque tu es notre première invitée. Mais merci pour ce réabonnement de 4 mois. Et merci à Morgane pour le follow. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à toi, Morgane. Salut Sandra. Je bosse, donc ça pourrait aller mieux. Ça peut toujours aller mieux que quand on bosse. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Salut Blue. Hello, hello. Salut Zorak. Et cette description incroyable. Franchement, effectivement, c'est bien la meilleure qu'on ait eue, je pense, sur le Discord. Oh là là, je suis même pas coiffée. J'avoue que j'étais un petit peu dans le stress. Mais je pense qu'il y a tout. Il n'y a pas de vêtements qui traînent derrière, dans l'arrière-plan. Les cheveux, c'est ok. Luminosité, c'est ok. Le son, c'est ok. Bonjour Morgane. Salut Marco. Swiss fucking cheese, goddammit. Oui. Salut Julien, re-Julien, hello Mugshot. C'est normal, je suis le meilleur. Ah, quand même peut-être pas abusé, hein. C'est que la meilleure ici c'est Mimi, sinon c'est pas, hein. Non, je plaisante, je rigole. Et bonjour Mo, hello hello, comment tu vas Mo? Ça a été ta compta? Dur dur, hein. J'ai Binou qui travaille à côté là, je vais pas trop le déranger, mais bon, il a choisi d'être là aussi, hein. Non, le meilleur c'est Brandy, non, le meilleur c'est Binou. C'est l'heure pour moi aussi. Oui, Sandra, un grand merci. Ben, comme j'ai dit, hein, je pourrais aussi te remercier en live, puisque tu es notre deuxième invité. Merci beaucoup pour ce, du coup, quatrième mois également d'abo. Merci, Sandra. Et merci donc pour tous ces follow. Ah, mais vous savez quoi, ce que j'ai oublié de faire, c'est changer le titre. J'ai oublié de changer le titre, bah oui, forcément, j'avais oublié quelque chose. Alors, attendez une seconde. Et puis merci pour les follow Pain et Daya, merci beaucoup. Alors effectivement, on va être dans du just chatting, mais on va mettre, comment ça, qu'est-ce qu'on va mettre, coup de cœur et on va mettre récent. Est-ce que je mets récent au pluriel du coup? Est-ce qu'on a plusieurs? Ah, allez. Coup de cœur. Et du coup, coup de cœur, comment ça s'écrit au pluriel? Aïe, aïe, aïe. Oui, ok. Je vais quand même préciser fantasy, parce que comme ça, au moins, on cible un peu plus les gens. Après, ça peut être un peu tout. Hein. Des subs / Patreon. Juste pour préciser, pas que les gens pensent que ce soit alors ouvert. Rouvert. Hello, hello, excusez-moi, j'ai raté du coup quelques commentaires. Salut Rondoudou. Marco, excusez-moi, c'est moi. Non, voilà, on est tous les meilleurs, on est d'accord. J'ai procrastiné la compta. Salut Elicat, comment ça va? Coup de cœur récent. Magnifique, merci Julien. Voilà, la Rama, c'est l'orthographe. Hein. Coup avec un S, deux cœurs, fantasy, des subs, Patreon. Voilà, il y a un petit smiley, ça fera l'affaire. Tip top. Salut Daya, bonjour, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ouh, je suis trop excitée, ça se voit? Non, ça se voit pas du tout. Donc, on va commencer sous peu. Je me prends juste quelques minutes pour vous présenter ma lecture en cours et probablement mon prochain gros coup de cœur. Parce que, mon Dieu, ce livre, il faut que tout le monde le lise. Il faut que tout le monde le lise. Alors, je ne sais pas s'il va plaire à tout le monde, parce que j'ai un ressenti similaire. Je ne suis pas en train de comparer les uns avec les autres, je suis en train de comparer mon ressenti, mais j'ai le même ressenti que quand j'ai lu Le Nom du Vent. Parce que on va suivre... Alors, attendez, peut-être hein, le bouquin d'abord. Hein, tac, tac, tac. Hop, hop. Je vous ai déjà montré la couverture, mais je vais vous la remontrer parce qu'elle est sublime. Bon, elle rend pas super bien sur Kobo, mais... Hop, j'aurais pu... J'ai mis la photo de tous les bouquins que sont en train de lire
les gens qui vont présenter aujourd'hui, mais j'ai pas mis la mienne. Donc c'est Justice of Kings, qui sort le 22 ou 24 février, j'ai un doute maintenant. Et oh mon dieu! On suit en fait une jeune fille. Oh, le train de la hype est lancé! Merci Asaïd! Ou Asaïd, j'espère que... Je suis pas sûre de comment dire ton pseudo, je crois que c'est Asaïd. J'ai dit Asaïd. Mais merci pour les 100 bits, le cheers, merci. Oh, et puis cette emote trop mignonne de chauve-souris. Oh, elle est géniale. Et franchement, elle est trop belle ton emote. Waouh, waouh, waouh. Merci pour le cheers. Du coup, on a lancé le train de la hype. Aïe, Asaïd. Attends. Asaïd. Asaïd, comme ça? Ou Asaïl... Ouais. Merci, mais merci à toi. Et Chouchou, oui, effectivement, en ce moment, tout ce que je lis, c'est des coups de cœur. Bah, une fois que tu connais un peu tes goûts littéraires, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus facile de trouver, ou plutôt d'avoir des coups de cœur, parce que tu sais déjà cibler ce que tu veux lire. Oui, notez. Parce que, alors, Justice of Kings, on suit une jeune fille, une clerc, une claire, je sais pas comment on dit en français. Je sais même pas s'il y a un équivalent en français, bref, une clerc, d'un justice qui incarne en fait la loi, si on veut, de l'Empire. Et ces justices, ils ont certains pouvoirs, je ne dévoilerai pas quels sont ces pouvoirs, mais ils en ont une multitude, mais ils peuvent pas avoir accès à tous ces pouvoirs, mais ils ont des trucs assez stylés. Et elle, en fait, elle raconte ça de manière rétrospective. Voilà, en fait, elle revient sur son expérience avec ce justice. Et en fait, ça se lit un peu comme en étant dans le présent, un peu comme dans le monde du vent. Dans le monde du vent, on a l'impression d'avoir du présent, mais en même temps, on sait que ça s'est déjà passé. Et du coup, ça prend son temps, ça établit un world building de fou, le système judiciaire est trop bien, on part sur une enquête avec des meurtres. Oh, ça c'est le petit plot, mais le gros plot, c'est aussi qu'il y a un monstre conflit entre la religion et la justice. Enfin, non, mais genre... c'est beaucoup trop bien, je suis trop excitée. Bref, je me calme. Il n'est pas encore sorti, tu l'as eu en avant-première? Oui, je l'ai eu en service presse via NetGalley. C'est la première fois que j'utilisais ça. Et du coup, je suis trop contente d'avoir pu... Hey, Binou! Mais merci! Le Puffin des Neiges, qui est en train de bosser, mais il bosse pas vraiment, en fait. Hein. Non, je voulais juste les emotes. Il voulait juste les emotes. Voilà. Merci, Binou. Bisous. Voilà. Salut Eyes of the Reader, comment ça va? Est-ce qu'il sera traduit en français? Alors, aucune idée, parce qu'il n'est même pas encore sorti en anglais. Mais je pense, s'il y a du succès, il y a moyen. Par contre, je pense pas que ce sera tout de suite. À mon avis, il faudra bien attendre une année. Voilà, on dit clerc aussi, ou clérical. Ok, coucou Binou. Ça va bien, merci. Donc oui, voilà, franchement... Je suis à 50%, j'ai passé les 50%. Incroyable. J'ai envie de dire que ça peut être ma meilleure lecture de l'année. On vient de commencer, mais bon. Est-ce qu'on arrivera à faire mieux que ça? Parce que, comme je vous l'ai dit, ça coche toutes les cases. Les thématiques, que j'aime bien, surtout avec la religion, puis c'est religieux un peu trop fanatique qui pose problème. La justice, un super world building, même si c'est pas si fantasy que ça, c'est assez... c'est pas trop extravagant ou quoi que ce soit. Les personnages super bien décrits, bon caractère, le rythme qui va assez lentement pour qu'on ait le temps d'assimiler, on a de l'action, on a de l'intrigue, on a du suspense, et on a aussi des retournements de situation, Non mais... Qui est l'auteur? Alors c'est Richard Swan, comme le cygne. Je vous mets ça comme ça. Trop bien, ça va bien, merci Aya the Reader. Je sais plus si j'ai dit déjà que j'allais bien. Lis Warbreaker avant de te prononcer. Ouais mais Warbreaker, je sais pas pourquoi, j'ai envie de le lire, je le lirai. Mais je sais pas si ce sera mon favori Sanderson favori. Bon, il est dans la wishlist. Non mais franchement... No regrets. Tu parles à mon âme, là. Ce livre m'appelle. Voilà. Voilà, j'ai fait ma lecture en cours. J'ai déjà filmé un bout de reading vlog dessus, mais j'ose même pas faire le montage parce que je suis mais comme une pile électrique. Si ça se trouve, tout ce que j'ai dit, ça veut rien dire. J'étais tellement contente. Faudra que je regarde. Ah, il y a une vidéo qui sort demain, si jamais, sur mes prochaines lectures après celui-ci. Ah, et puis du coup, j'ai oublié le Gmail. Le Gmail, je l'ai un peu délaissé. Hein. Je vous avoue qu'à côté de ça, il fait pas le poids. Hein. Mais il est sympa. J'ai aucune critique à donner sur ce bouquin, sauf que, bah, comme dit Sandra, ça ne parle pas à mon âme.
Voilà, ça ne résonne pas avec moi, c'est une aventure sympa, les personnages sont ok, mais c'est trop... ça me fait pas un petit truc au cœur en fait. Voilà. Oh, le train de la hype est terminé. Est-ce que... Quoi, vous avez loupé le train de la hype? Mais, on n'a pas eu nos emotes? T'as eu ton emote, Binou? Bah, j'ai pas eu mon emote. On n'a pas fait le 100%. Ah, c'est pour ça. Ah, je savais pas qu'il fallait avoir le 100%. Ah, je suis déçue. Ah, je voulais l'emote. Mais c'est pas grave. Vous êtes chou. Merci pour toutes celles et ceux qui ont participé. C'est très très gentil. Et Platisserie, merci. Bonjour, comment ça va? Hello, hello. Ça te fait pas vibrer le petit cœur, exactement. Et salut Celtemag, salut le chat, bonjour, bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver. Et joli mot, hello, hello. Non. Oh mince, c'est Yasril qui arrive tout de suite, voilà. 6 mois d'abonnement. Attends. Ah, attendez, j'ai pas lu la phrase. Yasril, qui avait reçu 6 mois d'abonnement offert par Atoloum, a entamé son 3e mois. J'aime bien qu'ils utilisent entamé, c'est quand même funny. Hein. Salut Yasril, comment tu vas? J'ai dit que tu viens d'arriver parce qu'en fait on a raté le train de la hype, on n'a pas complété le 100%. Je pense que si t'étais arrivé 30 secondes plus tôt, on aurait eu le train, mais c'est pas grave. Hein. Chouchou flop, voilà, exact. Comment tu vas Yasril? Hello, hello, hello. Ça va bien et toi? Je commence bientôt à Abercrombie. Oh là là. Moi, tu vas adorer. Enfin, j'espère que tu vas adorer. Moi, j'ai adoré. J'ai envie de... Des fois, vous savez, j'ai envie d'oublier que j'ai lu un bouquin juste pour recommencer sa lecture et redécouvrir. Bonne lecture à toi, du coup. Hello, Loïc. Hello. Pardon, je suis trop excitée. Hein, ça se voit. Ok, je me calme. Prends une goutte de ton thé, Mikaela. Descends d'un cran. Ah, c'est ok, Yasril. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, c'est l'alerte qui est venue trop tard. Ah, c'est trop bizarre. Ok, il a déraillé, voilà, le train a déraillé. J'ai bientôt fini les gens de Gemel et j'aime beaucoup. Ouais, moi j'aime bien aussi, mais... Sans plus, on verra. On verra quand je terminerai, peut-être que ça va s'accélérer. Ouh, il faut que je me grouille. J'aimerais bien que ça m'arrive pour les royaumes de feu. Oh, ok. Je connais deux noms, mais j'ai jamais lu. Mais si seulement on pouvait oublier nos lectures pour les relire, ce serait pas mal. Oh, Lyra! Lyra! Merci! Merci pour les 10 francs et 40 centimes. Est-ce que cette journée pouvait être mieux? Non, je ne crois pas. Non. Merci Lyra, oh là là, pour ce don qui va droit au cœur. Oh merci. Oh Lyra, t'es une championne, merci beaucoup. Ah, vous êtes trop chou. J'ai dit avant à ceux avec qui vont participer au live maintenant, je vous ai dit, vous êtes trop chou. Je me suis laissée aller dans un élan d'émotion. C'est la lecture qui fait ça, c'est merveilleux, bref. Allez, on va commencer, je finis juste les commentaires là, et on commence. J'ai commencé le tome 1, première loi d'Abercrombie, ce matin, j'ai fini Martyr, tome 1, de Perru, ou... Ouais, Perru. Gros coup de cœur, ah je sais, c'est toi qui m'en parlais déjà la dernière fois, je crois, non? Émotionnée, oui! Ok, vous êtes trop chou. Bon, allez, sans plus tarder, on va accueillir notre premier invité, qui est Arwonix, ici présent dans le chat. Alors, on va juste... Je vais peut-être baisser la musique, un chouïa. Je suis pas sûre qu'on l'entende vraiment, mais... Hop, peut-être comme ça. Et du coup, Arwonix, es-tu parmi nous? Ah, attendez, si, deux secondes, je sais pourquoi. En fait, non, ça devrait fonctionner quand même. Ah, mais quelle bobette, je suis pas connectée sur le truc. C'est ma faute. Arwonix? Allô? Oui, comment ça va? Bien et toi? Ça va bien, ben, re-salut et du coup, merci pour ce 4e mois d'abonnement, c'est adorable, merci beaucoup. Pas de soucis. Oh, vous êtes chou. Donc, Arwonix, qui est sur le chat, connu sous Arwonix, tout simplement, à pas chercher midi à 14h comme on dit. Est-ce que tu peux rapidement te présenter toi-même? Oui. Alors... Moi, c'est Arwonix ou Julien, ou Juju d'après Momo. Mais je suis étudiant et grand lecteur de fantasy et science-fiction depuis l'âge de 4 ans à peu près. Ah et oui sinon, 4 ans, quand même. Oui, j'ai commencé très très tôt. Oh, cool. T'imagines toutes ces années de lecture en plus que tu peux avoir dans ta vie si tu commences à lire de la fantasy dès 4 ans. Après, j'ai beaucoup lu la même chose pendant très longtemps. Et j'ai commencé seulement à lire de la fantasy adulte il y a quelques années, je crois, quand je suis arrivé à la fac. Ok.
Et du coup, pour la fac, là, ça a beaucoup influencé ce que je fais à la fac parce que je suis en études de l'imaginaire. Je suis en master de socio-anthropologie de l'imaginaire. Waouh, c'est trop stylé. Mais je veux le même master, moi. Mais c'est Bah, incroyable. je vous conseille pas parce que un peu comme toi avec ton master en Suède, Ah. c'est pas tip-top, quoi. C'est un peu du... Ça scam. C'est joli, mais c'est pas très fourni à l'intérieur. C'est comme une jolie boîte, mais une boîte vide. Ah ouais, je comprends. Ouais, je suis passée par là, exactement, effectivement. Ah là là. Alors excuse-moi, je vais vite rattraper les petits commentaires. Je t'invite aussi à les lire si tu veux voir un petit peu ce qui se dit. Ben, en gros, tout le monde t'accueille, donc c'est super. Il y a un mot qui dit c'est Juju, voilà. Ah là là. Oui, voilà, le stylé, le master, effectivement, ça a l'air stylé. Mais malheureusement, c'est vrai qu'ils ont tendance. Est-ce que c'est du marketing, en fait. Ils veulent te vendre le master, et puis finalement, quand t'arrives, ben. Bah ça, ils ont pas le budget pour faire ce qu'ils veulent en fait, du coup ça Ah. donne des trucs Ah, où mais l'intention est là quand même. Oui, Ah. l'intention est là, mais il y a des profs pas très compétents et pas l'argent pour en avoir d'autres, quoi. Donc, Ouais. bon, après, ça, c'est l'université française aussi. Ouais, bah, ouais, je pense que c'est un peu pareil en Suisse. Bon, en Suisse, on n'a pas de trucs fancy comme ça, franchement. Si on avait eu ça ici, je pense que j'aurais sauté les deux pieds dedans, mais pas à ma connaissance. Du coup, est-ce que juste avant qu'on commence, tu m'as dit que tu avais un Insta aussi, tu parles de lecture dessus? Oui, bah j'ai un compte Insta normal et un Booksta, du coup, que j'ai Oh. recommencé il n'y a pas longtemps parce que du coup je fais partie du challenge SFFF de Mélanie. Ouais. Ah, j'ai encore oublié son pseudo. Ouais. Évasion littéraire, sauf erreur? C'est ça, évasion littéraire, c'est ça. Et du coup, je vais le mettre dans le chat directement. Oui, vas-y, mets-le dans le chat. Ah, Parce que c'est la moi, tu. traduction dont. Attends, tu me l'avais dit en plus. C'était. Attends. No Nocturne. Ah! Printemps nocturne, c'est ça? C'est ça. Finesse de mémoire. Je suis allée le chercher loin. Hein. C'est vrai, oui, tu m'en avais parlé quand on faisait la maps. C'est comme ça qu'on a nommé mon île. Exact. C'est peut-être pour ça que ça m'est resté. Trop bien. Oui, la map, la fameuse map. Le temple de Mo, oui. Avec le temple, exact. Excellent. Alors, vous avez du coup l'insta d'Arunix dans le chat. On le remettra à la fin et occasionnellement, comme ça, toutes celles et ceux qui arrivent auront l'occasion de regarder. Et du coup, est-ce que tu peux, avant de nous parler de ton dernier coup de cœur, nous parler de ta lecture en cours? Oui, c'est Elantris de Brandon Sanderson. Voilà, vous avez la petite image à côté. Alors, c'est la couverture hein, qui sera critiquée par Zorak. Hein? Mais moi, je la trouve très bien. Et du coup, à la base, en plus, je l'ai fait en lecture commune sur le Discord de Cornelius. Et on a un peu fait du forcing avec Morgane aussi présente aujourd'hui dans le live. Et en fait, j'en suis qu'au chapitre 5, alors que Morgane l'a déjà fini et que Coco est déjà à plus de la moitié. Ouais. La faute à Rick Riordan, qui du coup m'a fait faire une relecture de tout Ah. Percy Jackson, plus L'héritière des abysses que je viens de lire, mais bon, les relectures et moi, ça fait deux. Du coup, C'est j'ai vrai? pas du tout avancé dedans. Tu fais beaucoup de relectures? Bah, pas mal, oui. Surtout Rick Riordan ou Anne Robillard. Mais j'aime bien retrouver les sensations. J'ai prévu de relire Brandy dans pas longtemps, je pense. Alors que je l'ai découvert qu'il y a 2 ans, donc j'ai pas avancé beaucoup si je fais trop de relecture. Ouais, c'est vrai que c'est tentant à chaque fois d'en refaire, mais effectivement, quand t'as une pile qui s'accumule, c'est presque dommage parce que tu te sens un peu coupable, mais tu devrais pas en fait, tu vois. C'est une sensation que seule notre pile en fait nous fait ressentir, mais en soi, il n'y a aucun problème à relire le même livre tout le temps. Moi, j'ai envie de faire une relecture de La Roue du Temps, mais. Aïe, 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 ouais. Un jour. Enfin, je lis de temps en temps un chapitre ou deux juste pour la nostalgie, mais des fois j'ai juste envie de prendre le tome 1 et de tout refaire, tu sais, mais d'un coup. Mais bon, ça m'a pris une année pour le faire en découverte, alors en relecture, ça pourrait aller plus vite, mais ça, c'est quand même assez conséquent.
Oui, les 15 tomes, là, c'est... Bon, déjà, là, je suis bloqué au tome 3. D'ailleurs, je me suis fait spoiler le tome 4 il n'y a pas longtemps. Je suis dégoûté. Ah non, ah, les spoils, franchement, ouais, ça c'est un peu partout maintenant. Et puis, ah, tu t'es fait spoiler comment? En fait, c'est par un bouquin pour la fac. Ah oui, j'ai vu, t'avais mis, je crois que c'était sur le Oui. Discord de Mo, je sais plus où, Oui. c'est, que t'avais. Oh non, c'est vrai? Oui, c'est mon directeur de stage m'a envoyé des textes pour mon sujet de stage et tout, que je potasse un petit peu dessus. Et dedans, il y a un texte sur le néo-médiévalisme. Et il prend comme exemple Wheel of Time et il donne un élément du tome 4 qui est une grosse révélation. Mais je l'ai pas encore lu, moi, le tome 4. Oh mon Dieu! Quelle horreur, t'imagines? Je me doutais du truc parce que j'avais vu les indices dans les tomes d'avant, mais j'étais en mode, mais. Bon, au moins ça utilise des références récentes, quoi. Voilà, au moins ça, ouais. Ok. Ah oh, bon, bah, j'espère que c'est. Si jamais tu me mettras en privé après ce que c'était, parce que je suis quand même curieuse. Mais ouais, c'est terrible. Moi, quand j'ai commencé à lire, j'avais surtout peur des fan art, parce que ça, c'est du pur spoil, en fait. Ça te spoil les destins des persos, faut vraiment pas aller regarder ça. Bah, c'est ce que j'évite aussi pour Rochard ou tout ça. Ah ouais, Rochard aussi, j'ai trop peur. Je regarde rien. Je suis à jour maintenant sur Rochard, mais avant j'essayais d'éviter tout. Ne serait-ce qu'aller sur le Wikipédia et tout pour Ah. regarder les. Ne serait-ce que vérifier une information que j'avais oubliée. Des fois j'arrivais à me spoiler, j'étais en mode, mais non, il faut pas. Ouais, non, c'est compliqué, effectivement. Alors, qu'est-ce que nous dit le chat? Morgane qui dit la meilleure sur le rythme d'Elantris, lecture d'Elantris. Ouais, non, mais franchement, Elantris, ça, enfin, je trouve que moi, ça s'enchaîne assez bien. En tout cas, quand je l'ai lu, j'ai vraiment lu ça super vite. C'était hyper haletant et très, très. À chaque fin de chapitre, tu dis oh là là, oh là là, oh là là, c'était dur de s'arrêter. Oui, c'est ça, c'est trop bien les relectures. On redécouvre des livres, les émotions qu'on a eues à la première lecture. Surtout quand on les annote avec du stabilo. Alors là, je peux te dire que tu ressens bien toutes les émotions. Tu te rappelles, ah oui, j'ai passé ça au stabilo et puis j'ai merdé à ce moment-là parce que j'ai raté la ligne et tout. Tous les souvenirs sont ancrés dans le papier, tu vois. Bah, j'en suis pas encore à stabilité, mais je pense que j'en suis pas loin. Ah, est-ce qu'on va convertir un nouveau membre à la. Est-ce que tu craques les dos? Est-ce que tu Oui, casses? Oui? je Ah. casse les deux. C'est bon, c'est déjà un step en avant, là, c'est bien, c'est bien. Alors, je parcours vite fait les commentaires. Oui, c'est ça, c'est retrouver un univers qu'on a adoré, les relectures. Mais... Des univers où tu veux vraiment rester dedans, quoi. J'ai fait la relecture des Chevaliers d'Émeraude pendant les vacances d'été dernier et j'étais mais full nostalgie pendant tout le mois. J'ai lu les 12 tomes en un mois C'est dur. et full nostalgie. C'est. Je compatis. Repenser à la première fois où j'étais dedans, je dois dire ah. Ouais. Ça fait du bien en même temps, t'es triste, tu te dis mais ouais, la dernière fois que je les ai lus, j'avais 11, 12 ans. Ah ouais, je sens vieux. Ouais, surtout quand t'étais aussi jeune que ça, tu vois. Parce que, bon, nous... Enfin, je dis nous. Dans la plupart des cas, c'est des livres ben, moi, par exemple, j'ai découvert la fantasy assez récemment, quand même, comparé à d'autres personnes. Et puis, ben, c'est que des trucs que j'ai lus en étant déjà adulte, tu vois. Donc, t'as pas ce côté vraiment enfance. En tout cas, moi, je l'ai pas. Mais ça, c'est beau, ces souvenirs comme ça. Alors, par contre, je suis intriguée par le commentaire de Platisserie. Je suis bloquée au dernier tome de Robert Jordan. C'est tellement long pour rien. Est-ce qu'on parle vraiment du 14 tome, du tome 14? Est-ce qu'on parle vraiment du tome 14? Parce que si c'est ça, je comprends pas. Ah là là, salut ça, comment ça va? Pardon, bonjour. J'ai pas vu s'il y avait d'autres personnes qui étaient arrivées entre-temps. Non, je pense qu'il parle du tome 11, du coup. Ah, du coup, du tome 11 en VO, oui. Alors là, effectivement, il y a peut-être quelques longueurs. Mais... C'est possible, ouais. C'est pour ça que je confirme, parce que le 14, c'est pas possible, en fait. Alors. Je suis au tome 3, je kiffe. Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de reprendre la série. Mais tu parles des archives de Rochard? Punaise, tu m'as dépassé? Non. Non!
Loïc, tu parles de quel bouquin? Je sais plus, je suis désolée. Ok, les infos sur les ajats aussi, faut pas trop regarder effectivement. Time. Oui, Sandra qui s'est fait spoiler un perso de Wheel of Time en allant regarder sa couleur de cheveux sur le wiki, alors on est dans ça. Au pire, tu restes dans l'ignorance, mais il faut pas risquer. Dans le doute, t'attends la prochaine occurrence où ils en parlent. Voilà, exact. Hello Alice, comment ça va? Stream d'hérétique. Ah là là, cracker de dos qui se... Je peux casser le dos d'Elantris en live. Ah, est-ce qu'on entendrait le petit bruit? Non, c'est... Oh, cracker de dos qui se retrouve... J'ai vu un commentaire que j'ai eu sur Twitter quand j'ai dit que je craquais les dos. Il disait genre que j'étais... Comment s'appellent les gens qui craquent les dos des gens? Des personnes pour... Voilà, j'étais un livre book chiropractic, je sais plus comment c'était. J'étais là, je vais me reconvertir. Bon. Je suis désolée, attends, j'essaie de rattraper les commentaires, mais il y en a toujours. On a trop la flemme d'annoter. Ouais, non, c'est un truc que tu fais par plaisir en général, mais c'est vrai que des fois, t'as un peu la flemme, mais en tout cas, pour Wheel of Time, moi, c'était super important. Parce que je voulais vraiment garder un souvenir. Toi, je sais pas si tu le fais pour ta mémoire ou tu le fais pour vraiment donner une vie à ton livre. Généralement, la mémoire, je me souviens des trucs, vu que je me suis entraîné avec depuis tout petit à essayer de retenir toutes les informations des bouquins. Du coup, c'est pour ça que j'annote très très peu et que j'hésite à chaque fois parce que je me dis, mais si je ne le relis pas, ça ne viendra plus en fait. Mm. Et ça ne m'aide pas forcément à me souvenir plus d'annoter. Mais il faudra que je le fasse quand même pour ne serait-ce que, justement, vu que j'aime bien les relectures, ouais. Ça pourra servir. C'est ça. Platisserie qui dit j'ai peut-être mélangé mes spaghettis. J'adore cette expression, je vais la reprendre. Je te la pique, hein, Platisserie. Mélanger mes spaghettis avec le 13. Ouais, je sais pas. Les derniers, je les ai trouvés excellents. Donc, je saurais pas te dire, mais continue, ça vaut la peine. Ah, voilà. Est-ce que j'ai tout rattrapé, je crois? Voilà. Très bien. Du coup, notre invité Aronix va maintenant nous présenter son dernier coup de cœur. Et c'est Les Maîtres en Lumineur par Robert Jackson Bennett. Voilà l'image sur le stream. Et du coup, je vais parler que du tome 1, même si j'ai vu le tome 2 à Noël. Ok. On était de spoiler. Oui, je t'écoute. Alors. On se retrouve dans la cité de Tevan, qui est une cité qui rappelle un peu Venise par certains aspects, parce que c'est une cité-état, gouvernée principalement par des maisons marchandes, qui ont comme aspect principal de se garder dans des campos, ce qu'ils appellent, qui sont des forteresses, qui ressemblent à des mini-villes dans la ville, et le reste, c'est des espèces de favelas, où les autres, le reste des habitants, les pauvres, peuvent habiter, et cet univers a quelque chose de très spécial dans l'idée qu'ils ont une magie liée à l'écriture qu'ils appellent l'enlumineur. J'ai pas le nom en anglais, mais ça doit être légèrement différent, je pense. Et cette magie permet de modifier la réalité selon la manière dont on écrit sur les objets. C'est-à-dire que vous pouvez convaincre un objet ou la réalité autour de cet objet qu'elle est différente de que celle qu'elle est. Comme exemple, un objet qu'on voit très très rapidement, c'est que vous pouvez convaincre deux pièces qu'elles ne font qu'une. Donc les deux vont se rassembler et ne plus jamais se décoller parce que selon leur réalité à elles ne font qu'une pièce. Et ça peut se complexifier énormément. Par exemple, en disant à une roue de voiture qu'elle est sur une pente. Vous lui dites, elle va rouler comme si elle était sur une pente. Et ce qui permet de créer des voitures fonctionnelles et automatiques sans avoir de moteur. Et on se retrouve dans cette ville avec une jeune voleuse du nom de Sansia qui est engagée pour aller voler une des maisons marchandes, un objet, juste un petit coffret en bois dans le front de mer. Et ça se passe pas super bien pour elle. À la base, elle vient des campos, pas des campos justement, elle vient de...
Elle est relativement pauvre et sale et tout, et elle se retrouve embrigadée dans une affaire impliquant les plus hautes autorités de la ville. Et elle a en sa possession un artefact des anciens enlumineurs. C'est trop stylé. Et du coup, elle sait pas en quoi en faire et elle sait pas comment se démerder avec ça parce que bah, ça peut bouleverser le monde, la découverte qu'elle vient de faire. Et on se retrouve avec plein de niveaux de magie différents et elle-même qui a une particularité par rapport à la magie que je vais pas spoiler parce que c'est intéressant. Mais que ce soit l'univers, les personnages, le world building ou la manière dont on conçoit la magie petit à petit, j'ai adoré. Franchement, c'est gros coup de cœur. Gros coup de cœur, c'est ça? Oui. Ah là là. Mais franchement, t'as fait un résumé super. Hein. Franchement, ça m'a donné encore envie de le relire. J'avoue que j'ai. Alors, j'en ai. Le pire, c'est que j'en ai parlé hier avec Rémi. J'ai fait une conversation avec Rémi et on en a parlé. Il est en train de l'écouter en livre audio. Donc, je vous spoil hein, les lectures de Rémi, il n'y a pas de souci. Mais il me disait que il avait eu un peu le même ressenti que moi dans le sens où on s'est mis d'accord sur le fait que on l'a vu beaucoup passer à un moment. Et déjà, moi, je l'avais vu aussi passer en VO. Et du coup, je me dis, ouais, je l'ai vu beaucoup passer. Ils vantent toujours ce côté système de magie. Ils le mettent beaucoup en avant en le comparant à Sanderson. Et Rémi, il avait dit, ouais, j'étais pas si emballée que ça. Finalement, quand je l'ai commencé, j'ai adoré découvrir que, oui, le système de magie est bien, mais qu'au-delà de ça, il m'a dit, les personnages sont vraiment bien définis et très charismatiques. Et là, ça m'a convaincue, tu vois. Le fait de mettre en avant autre chose que simplement son système de magie, je me suis dit, si les personnages sont bien, ça m'a redonné un peu d'intérêt. Et là, tu viens compléter le tout et je l'ajoute dans ma wishlist après. Bah ça, ils ont une vraie évolution en plus au fil du bouquin. Ah ouais. C'est même la magie, elle raconte réellement quelque chose au sein de l'univers. Mm-hmm. Et c'est encore plus développé dans le tome 2. Et j'attends avec grande impatience le tome 3 pour voir la suite. Mais la construction entière du monde et son histoire et ses personnages, justement, tout est imbriqué. Mais je le comparerais justement pas à Sanderson, en fait. Ok. Parce que c'est moins... c'est la même théorie du l'élément qui a modifié tout le monde, comme les tempêtes ou la brume... les cendres dans Mistborne. Là, c'est avec l'enluminure. Mais... Je sais pas, vu que c'est dans un endroit beaucoup plus réduit que les univers de Sanderson, bah ça donne l'impression d'être dans un huis clos quelque part. Ok. Et ça donne une ambiance un peu plus oppressante, j'ai l'impression. Ok. Ah, c'est très intriguant en tout cas. Est-ce qu'il y a plusieurs points de vue ou il y a seulement celui de la protagoniste? Il y en a plusieurs. Il y en a 4, je crois, dans le premier tome. On aime les multi-POV, hein. Et c'est à la fois les bons, entre guillemets, et les mauvais, entre guillemets. Ok. Ah, j'adore. Ah, je suis vraiment convaincue. On a ça qui dit « Cette trilogie me fait trop envie ». Et puis, Jolie Môme qui écoute le tome 1 des Maîtres en Lumineur et elle adore. Et puis, Zora qui trouve ça très aguicheur. Ça me fait un peu penser à la magie dans l'âme de l'empereur de Sanderson. De mémoire, c'était aussi modifier la nature des objets, leur faire croire qu'ils sont autre chose, par exemple, nous dit Yasril. Et merci pour le follow, merci. Bonjour à toi, bienvenue. Est-ce que tu as lu, toi, l'âme de l'empereur de Sanderson? Pas encore. J'attends d'avoir fini Elantris pour pouvoir le lire. Ça marche. Salut au minéral, comment tu vas? Bonne question. La narration, c'est la première ou troisième personne? Troisième personne. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est dans quel bouquin? Est-ce que... j'ai un doute. Ah oui, c'est dans celui que je suis en train de lire, là, Justice of Kings. Il faudrait que je le mentionne dans mon reading vlog, mais maintenant qu'on en parle, c'est vrai qu'au début, j'ai tiqué, parce que c'est à la première personne. Et ça faisait très très longtemps que j'avais pas lu un livre à la première personne, mais c'est vraiment bien fait. J'avais même oublié, zappé, que c'était à la première personne. Ça se lit... C'est pas... En fait, le truc, c'est que son point de vue à la jeune fille qu'on suit, il est pas, trop envahissant.
t'arrives quand même à avoir une certaine distance tout en ressentant vraiment ses émotions. Et je trouve que c'est vraiment bien parce que parfois quand t'as une première personne, je sais pas toi, mais je trouve que c'est trop, t'es trop dans la tête du perso, t'arrives pas à vraiment saisir tout le monde qui l'entoure parce que t'es trop attaché, t'es trop près en fait de ce qu'il ou elle vit. Ouais. Mais troisième personne, c'est bien. Moi j'aime beaucoup la première personne, mais c'est, ah, c'est vraiment. Vrai bah, ouais, c'est. Je pense que limite je préfère la première personne. Ok. C'est et notamment pour un des bouquins que j'avais adoré, qui est très très dur à lire mais que j'ai beaucoup aimé, c'est Gagner la guerre de Jean-Philippe Varowski, qui du coup je l'avais écouté en plus, et c'est vraiment le personnage qui est un anti-héros par essence. C'est le type est un fumier pur, et quand il te raconte lui-même ce qu'il fait, ce qu'il voit, ce qu'il fait, tout ça, ça donne une certaine ambiance très très spécifique, quoi. C'est okay. C'est pas Glotka qui te raconte ses tortures, mais c'est pire, des fois, c'est pire. Ouh. On peut faire pire que Glotka. Ah ouais, Moi, il est chou, Glotka, on va pas abuser, oui. Il est chou. Hein. Tu l'as lu, hein, la première loire Oui, ouais, j'en suis au troisième tome. Petit Glotka. Notre chouchou. Oui, bah alors, attends, on va voir, qu'est-ce que j'ai manqué. Pam, pam, pam. Juste voir ce que... Ça, c'est tout bon. Hop. Dans New Victoria, il y a aussi des POV de gentil et de moins gentil. Je vous le conseille en passant. Je crois que je l'avais. Est-ce qu'ils l'ont... Ils ont arrêté de l'éditer, sauf erreur. Mais il me semble que j'avais ce bouquin à un moment. N.K. Jemisin. Ah non, ça, c'est Mo qui nous troll. Mais je vais le lire, tu sais, Mo, je vais le lire. Tu l'as lu, toi, la cinquième saison ou pas? Bah, j'ai lu le premier tome. Ouais. Mais j'ai pas aimé. Ah, ok, bon. C'est très tranché, hein. Bah, c'est surtout que si tu comprends le plot du bouquin avant la fin, bah ça te gâche un peu tout. C'est un peu dommage. Minera nous dit, moi quand j'adore quand c'est la première personne, je trouve ça plus immersif. Ok. Ah, c'est rigolo. Et puis vous autres dans le chat, petit sondage comme ça, juste pour voir. Moi aussi. Moi justement, j'ai du mal avec la première personne. Ah, Yasri là avec moi. Gagner la guerre aussi, écouter en livre audio l'acteur qui lit exceptionnel. Ouais. Tu confirmes? Oui, il est absolument génial. Je pense que c'est un de mes narrateurs préférés avec Nicolas Planchet, pour lequel j'ai écouté Le Nom du Vent. Oh, ah, c'est vrai. Ah oui, mais en français du coup, c'est ça? Oui, ah, c'est ça. Il faut que je le relise en anglais avant la sortie du troisième tome. J'ai le temps. Ah oui, j'allais le dire. T'as le temps. Ok, et puis du coup, tu nous as dit que tu as reçu le tome 2 des Maîtres en Lumineur, hein, c'est ça? Non, je l'ai lu. Ah, tu l'as déjà lu? Ah, je l'ai fini à Noël. Ah, tu l'as fini à Noël, j'ai cru que tu l'avais reçu à Noël, ok. Et puis, est-ce que ce deuxième tome est à la hauteur du premier, ou est-ce qu'il est mieux? Je dirais qu'il est mieux. Il est mieux? Ouais, dans le sens où il y a pas... Bah, il y a plus de développement de personnages. Et ça fait pas l'erreur de beaucoup de tome 2 de répéter certaines thématiques. Là, elles évoluent vers la suite logique des choses, que ce soit au niveau du monde, des personnages ou même de la magie. Tout suit une suite logique. Et c'est peut-être la seule critique très légère que je ferai au Maître en Lumineur, c'est que c'est très. Comment dire. C'est très académique comme manière d'écrire. C'est très. Tu as un élément, il va être réutilisé par la suite. Et tout s'imbrique parfaitement. Ça s'imbrique tellement bien qu'il y a des moments où tu dis mais bah, tu peux deviner ce qui va passer par la suite si tu connais un petit peu les mécanismes de ce genre de choses. Mais du coup, ça s'imbrique tellement bien que des fois ça fait bugger. Tu fais ah ouais c'est vrai qu'on nous a parlé là. C'est ah ouais. Oui. En fait, on avait déjà tous les éléments donc. Ok. Ok, donc, c'est intéressant de. Ça peut gêner si on a déjà beaucoup lu dans ce type de fantasy. Mais en soi, c'est pas. C'est une écriture qui est très jouissive aussi, dans le sens où. Ah oui, j'avais réussi à spot ce truc-là. Et du coup, je sais pourquoi est-ce que ça fonctionne à ce moment-là. Ok. Ok. Ah, bah du coup, ça m'intrigue. Parce que. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais remarqué dans un livre. Enfin, après, bon. Hein, on va pas se mentir, moi je suis très naïve, hein, j'entends dans un bouquin, mais je vais suivre en même temps que les protagonistes. C'est vrai que je suis... Moi, je...
Je regarde pas trop. Enfin, j'essaie pas trop de comprendre, en fait. Donc, je serais curieuse de voir est-ce que j'arriverais justement à spot ce dont tu parles, ou est-ce qu'au contraire, je verrais pas les indices laissés derrière. Je suis assez naïve pour ça, donc ça m'intéresserait. Ah! Une critique, un petit défaut intéressant, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais relevé, moi. Ça me... ok. Alors, attends, j'ai juste vu qu'il y avait quelques petits commentaires. Donc, Elika nous dit, j'aime beaucoup la première personne, c'est dans le cas dans l'Assassin Royal, ça ajoute un truc. Ok. Ouais, c'est vrai que... Oui, c'est vrai que c'est première personne, ouais, j'avais pas fait gaffe. J'ai oublié, en fait. Ok, mon goût du nom du vent aussi exceptionnel en audio. Mais d'ailleurs, le nom du vent, c'est une espèce de première personne. C'est une espèce de première personne. Alors attends, parce qu'il faut que je me rappelle, maintenant j'ai un doute. Parce que c'est, on a un narrateur extérieur avec le chroniqueur, Ouais. mais quand on passe sur la version de Gvoth, c'est lui qui raconte. C'est lui qui raconte, mais... Ah, j'ai un doute. Est-ce que quelqu'un peut... Enfin, est-ce que toi, tu te rappelles si c'est écrit en jeu? Je crois que c'est jeu parce qu'il dit tout ce qu'il a fait et il le dit au chroniqueur et tout. Il a même des doutes en mode attends, est-ce que j'ai. Oui, Parce c'est que... comme ça qu'on m'appelait à l'époque, mais après il reformule et tout. C'est vrai. Enfin, c'est... Alors, je sais plus si c'est directement écrit en jeu, mais c'est effectivement une sorte de première personne parce que... Il raconte ses propres événements et de manière assez... Enfin, disons que, comme j'ai dit, je me contredis un peu du coup, mais c'est entre guillemets, le défaut que j'avais mis en avant du fait que c'est trop proche du personnage. Mais tu vois, des fois, ça me dérange moins, la première personne, parce que justement, t'arrives quand même à avoir pas mal de contexte autour et d'autres ressentis et d'autres... Enfin, je sais pas. Je dis ça parce que j'ai lu un extrait d'un bouquin il y a quelques semaines et c'était une première personne qui me dérangeait, en fait. C'était trop... trop... Ah, je sais pas comment expliquer, mais c'était trop je, et puis je me dis, bon, il se passe quoi autour de ce perso, tu vois? Je ne sais D'accord. pas. C'est intéressant comme point de vue aussi. Après, voilà, je pense qu'il y a de tout, il y a des troisième personne pas trop... Enfin, un peu mal faites et des meilleurs, et ensuite, pareil pour la première. Mais c'est une question intéressante. Je pense que c'est la question qui occupe beaucoup les auteurs quand ils commencent à écrire un bouquin. C'est première ou troisième personne? Ça change tout, hein, quand même. Je pense pour certains récits, ça change Ah beaucoup. oui, ça change par rapport au personnage, par rapport à comment est-ce que tu reçois les informations. Parce que si c'est quelqu'un qui te les donne, c'est biaisé dans un sens. C'est Que le ça. narrateur, il peut te prendre par défaut en faisant croire que c'est une troisième personne. Ouais. Ouais, Mais c'est par ça. exemple, dans Tolkien, une première personne, ça fonctionnerait pas. Ah, ouais. Bah, bonne question. Est-ce que ça rendrait pas la chose plus haletante? Je vais pas taper sur les doigts. On perdrait le côté conte, je pense. Ouais, c'est vrai, ça. Ce serait trop. Ouais, ça perdrait le côté conte et. Après, bon, voilà, c'est Tolkien. On a de la peine à l'envisager autrement maintenant. Hein. Alors, il y a Daya qui nous disait, j'aime bien les deux, chacun apporte quelque chose de différent. Exactement, la première personne a tendance à m'immerger un peu plus au niveau des sentiments du personnage, tandis que la troisième personne a tendance à me donner ce sentiment d'omniscience et à m'immerger plus dans l'histoire en elle-même. Bah, c'est très bien résumé. C'est très bien résumé, en tout cas, moi j'ai le même ressenti que Daya, du coup. Mais, grosse préférence pour la troisième, du coup. Mais c'est un peu comme Hard et Soft Magic, ça raconte pas la même chose et pas Ah de la même oui, manière. ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je bug avec les commentaires. Ah voilà, c'est bon. Pam pam pam. Je crois que c'est en jeu. Ah ouais, tout le monde nous dit que c'est en jeu. Ouais, je viens d'aller vérifier. Il raconte à la première personne, je suis allée vérifier dans le livre. En plus, il explique ses pensées et ses actes parfois. Ouais, ok. Coucou Marilou, comment ça va? Salut le chat. Hello, hello, bienvenue, bienvenue. Bah, du coup, est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Aronix, que ce soit sur ton coup de cœur? Ça veut dire que, est-ce que tu recommandes... Alors, à qui est-ce que tu recommandes de lire les Maîtres enluminés? Est-ce que ça passerait pour tout le monde? Oui, je pense que ça passerait pour tout le monde. Pas forcément les grands débutants de la fantasy adulte, Ok. mais en soi, tout est suffisamment bien expliqué et il y a
comme j'ai dit, c'est suffisamment académique pour que tout puisse... Il n'y a pas besoin de se souvenir deux, trois tomes avant ce qui s'est passé. C'est vraiment... Les éléments sont rappelés au moment où ils sont utilisés. Et c'est pas trop mystérieux non plus. Ok. Il y a des éléments qui sont teasés pour la suite, mais c'est pas le plus important pour la compréhension de l'histoire. C'est pas le livre des martyrs où tu peux ne rien comprendre à tout le tome. Là, je pense que ça peut convenir à tout le monde et c'est suffisamment jouissif au niveau lecture et niveau ambiance pour que ça se lit très très vite, quoi. J'allais te demander si le rythme était assez, assez poussé ou si c'était plus sur quelque chose de lent. Okay. Le rythme, notamment le premier tome est très poussé parce que c'est... Non, je vais peut-être pas non plus raconter des trucs. Oui, les personnages sont très pressés dans le truc, donc ça va vite. Mais ça prend quand même le temps par moment de se poser pour qu'on comprenne les enjeux des personnages et qui ils sont. Et le tome 2 se pose plus. Il y a plus de moments où ça se pose et ça peut sentir sur le monde et les mécanismes qui rentrent en jeu. Ok. Ah, donc j'ai hâte de voir en quoi le troisième tome va rapporter encore des choses. On sait quand est-ce qu'il sort en français ou... Non, ou est-ce qu'il... il n'est pas encore sorti en anglais. Ah, il n'est pas encore sorti en anglais. Ouais, il sort été 2022 en anglais. Ah, punaise. Je pensais... Ah, mais peut-être qu'ils ont ils ont révélé la cover alors, je crois, parce que je l'ai vu passer, il me semble. Je sais plus. Peut-être que j'ai dit des bêtises. Peut-être. J'ai pas vu. J'ai regardé le release date. C'est ça, 21 juin 2022. Top. Et du coup, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette lecture ou de manière générale? Non, j'ai juste ajouté que j'adore tes vidéos et que tes lives sont toujours aussi sympathiques. Arrête, tu vas me faire rougir. Ah là là, parce que... Oh, t'es trop chou, merci beaucoup. Entre le lire dans le chat, c'est sympa, mais alors l'entendre de vive voix, mais ça me... C'est toute chose. Merci beaucoup, Aronix, ça me fait trop plaisir. Merci, fond du cœur. Pas de soucis. Alors, on se retrouve pour le petit au revoir de fin. On aura l'occasion de se reparler pour conclure le live. N'hésite pas à remettre ton Instagram pour celles et ceux qui seraient intéressés à aller te suivre sur Insta. Et du coup, je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je passe la main à Julien. Oui. À un autre Julien, du coup. Oui, un autre Julien. On a deux Julien de suite. Deux Julien pour le prix d'un. Ouh. Bye. Bye bye. Mais oui, je suis émotionnée. Vous êtes... Non, j'ai mis du mascara. Oh, notre Julien, Mr. Mugshot, est arrivé parmi nous. Bienvenue. Et me voilà. Par contre, attends, je vais te muter sur Twitch parce que sinon je m'entends en double. Une Mimi, ça va. Deux, je suis pas sûre. Hein. C'est ça. Demandez à Fabio si... Est-ce que tu supportes deux Mimi? Non, je crois pas. Surtout deux Mimi qui parlent en même temps. Ah ouais, non. Non. Alors, attends, avant de commencer, je vais vite voir. Il y a Au Minéral qui dit « Oh, salut Julien !» Salut Au Minéral. Voilà, les compliments, ça fait toujours plaisir, effectivement. Voilà. Tip top, re sur le chat, Arnix. J'espère que tu as fait bon voyage sur le chat. Alors, Julien, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors du coup, moi, mon pseudo sur le chat, sur le Discord, c'est Mr. Mugshot. Je m'appelle Julien, je suis vendeur de jeux de société et je suis grand fan de jeux de rôle. Et je lis de la fantasy depuis une dizaine d'années. Hein, voilà, et avec des moments où j'étais lecteur très actif et des moments où pas trop, mais là, actuellement, j'en lis pas mal. Top. Je considère que j'en lis pas mal, actuellement. C'est les meilleurs moments, c'est quand t'es dans... C'est parti, t'es sur la vague de la lecture et ça s'arrête pas. Donc oui, fan de jeux de rôle, on soulignera que c'est notre MJ dans notre campagne, qu'on va reprendre d'ailleurs jeudi. Hein. C'est ce jeudi qu'on reprend, hein, c'est le 20. C'est ça. On reprend jeudi. Et d'ailleurs, si je peux mentionner la façon dont justement moi j'ai découvert ta chaîne, à la fois YouTube, etc., c'est parce que j'avais proposé
justement de faire cette campagne. Et donc du coup, j'avais partagé l'information avec Joe, qui est joueur avec nous. Et en fait, il m'a dit, bah, attends, je vais peut-être passer l'info avec des gens qui sont dans le serveur Discord sur lequel je suis, d'une youtubeuse, d'une booktubeuse, etc. Je me suis dit, bon, bah, ok, pourquoi pas. Joe partage l'information, et je crois que deux jours après, Michaela m'envoie une lettre de motivation de une page et demie pour rejoindre la campagne. Donc du coup, j'étais à la fois hyper... C'était un peu émouvant, mais en même temps, c'était très très drôle. Ah oui, j'avoue que maintenant que j'y repense, c'est vrai que j'ai pas fait les choses à moitié, hein. Ouais. Tu vois, comme j'avais tellement envie, ça faisait des années que j'avais envie de faire du jeu de rôle, et quand j'ai vu l'occasion, je me suis dit, je vais mettre toutes mes chances. Je crois que même ma lettre de motivation que je t'ai envoyée était même mieux que celle que j'ai envoyée à l'Uni pour postuler. Non, mais c'était vraiment... Juste, j'avais pas capté le truc, en fait, parce que j'avais dit à Joe, bah, tu peux leur demander de m'envoyer juste peut-être leur nom qui se présente un petit peu, etc. Et... J'ai vraiment la lettre et c'était... En plus, c'était genre écrit vraiment de manière formelle, hein. J'ai mis deux plus, en effet, machin. Exactement. Ah, là, là, pour te dire à quel point j'avais envie de faire des jeux de rôle, hein. C'était... Voilà. Oh. Ah, c'est une belle anecdote. Cas... Merci, hein. Non, en tout cas, je suis très content de ce à quoi ça a mené, parce que je trouve que toi et puis les autres avec lesquels on joue, donc Joe et puis Au Minéral qui est dans le chat, et puis Chloé qui du coup là n'est pas dans le chat. Non, je crois pas qu'elle soit là. Elle nous écoute, je crois, mais... Mais du coup, ça se passe super bien, et puis j'ai hâte de reprendre la campagne. Ouais, ça va être chouette. Nos aventures avec Ciboulette. On n'oubliera pas Ciboulette. La biquette. Voilà, exact. Magnifique. Super. Eh ben, du coup, avant de commencer avec les lectures, tu as tout récemment commencé une chaîne Twitch, hein, aussi. C'est ça? Oui, il y a deux semaines. Donc du coup, pour l'instant, c'est pas grand-chose. J'essaye de peindre, de dessiner dessus. Je joue aussi un petit peu à la PS4, mais je me lance tout doucement. Pour l'instant, je vais y aller étape par étape et on verra si ça aboutit à quelque chose. Ça marche. Je voulais faire un shout-out, mais j'ai l'impression que mon bot, il fonctionne pas. Quelle horreur. Est-ce que Mo, tu peux essayer? Ah, mais non, Mo, elle est partie. Qui c'est qu'en encore, Modo? J'ai l'impression que ça marche pas de mon côté. On va trouver une solution. T'en fais pas. Mais si jamais vous avez qu'à cliquer sur ton pseudo, là, et puis normalement, il y a moyen de trouver ta chaîne. Il nous a fait un magnifique fan-art de Kaladin. C'était magnifique. C'est vraiment beau. Très réussi. Ouais. C'était la première fois que j'essayais de peindre en fait d'après imagination plutôt que d'après photo, et en fait je me suis dit peut-être que quand je teste des trucs pour la première fois, c'est peut-être pas l'idéal de le faire forcément sur en live, mais bon, au final je suis quand même content du résultat. Donc. Ouais, je comprends. Moi aussi, quand j'ai essayé de commencer avec ma tablette graphique et tout, puis c'est des trucs que t'as jamais essayé, que t'essayes de faire en live, t'as deux fois plus la pression, tu sais. Ok, donc, pam pam pam. Et du coup, quelle est ta lecture en cours? Alors, en ce moment, ça a été mentionné avant, je suis en train de lire Les Récits du Vieux Royaume de Jean-Philippe Jaworski, et donc voilà. Du coup... ça regroupe deux livres en fait, à la fois le recueil de nouvelles Janua Vera et à la fois Gagner la guerre, du coup, qui a été mentionné juste avant par Aronix et d'autres personnes dans le chat. Et bon, lecture en cours, pour l'instant j'ai lu 20 pages, donc je suis pas très très avancé, mais j'aime bien la prose pour l'instant, je saurais pas en dire plus. Ça marche. J'ai jamais testé encore. Je sais que c'est en général un auteur très apprécié.
J'ai rarement vu de mauvaises choses dessus, donc c'est vrai que si je devais, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup moins à la fantasy française ces derniers temps, mais ce serait un des auteurs que j'aimerais beaucoup découvrir, en tout cas francophone, ouais. Bah après, c'était justement parce que c'est un auteur francophone que moi, je me suis lancé dedans, puisque c'était le constat que, je pense, comme beaucoup de monde, hein, que ma bibliothèque, elle est pleine d'auteurs américains. Et du coup, bon, j'ai quand même envie de soutenir un petit peu les auteurs francophones qui passent peut-être un peu plus souvent à la trappe. Donc, c'est vrai. C'est très bien. Donc, là, je lis ça et puis on verra ce que ça donne, mais j'ai hâte de continuer en tout cas. Top. Alors, j'ai juste une petite seconde, je vais pouvoir mettre ta chaîne Twitch ici, j'ai été vite chercher le lien. Donc si vous voulez un Merci, peu... Merci, c'est gentil. Mais pas de soucis, je viens de commencer, donc il faut aller le soutenir, aller mettre un petit cœur, un petit follow, et pour voir des peintures comme ça, ou du jeu... C'est que du talent, en tout cas pour la peinture. Le jeu, je sais pas, j'ai pas encore regardé si t'es doué ou si t'es aussi maladroit que moi, mais... il faut que je... C'est des jeux, il faut que je me remette les contrôles en main, en fait. Ça marche. Alors Aronix me dit, un autre francophone dont j'ai hésité à parler et qui est ma meilleure lecture de 2021, c'est Patrick K. Dwini, c'est ouais, le cycle de Sif. Comment s'appelle le premier tome? Je sais pas, ça te dit quelque chose, Julien? Absolument pas. Ouais, il est pas mal passé en fin d'année. Ouais, je sais que Rémi en a parlé, Ornix en parle ici, on en avait parlé plusieurs fois dans le chat. Mais c'est, voilà, L'Enfant de Poussière, à ce qui paraît, c'est vraiment, vraiment chouette, si jamais ça peut t'intéresser en tant qu'auteur francophone. Ben, je jetterai un coup d'œil. Là, j'ai d'autres lectures qui sont prévues, justement. Dernier livre que j'ai lu, c'était Les Crépusculaires de Mathieu Gaboury. Et une fois que j'aurai fini avec Jaworski, je pensais lire Les Chroniques des Féales. Les Crépusculaires, c'était pas mal, mais c'était à mi-chemin, ça partait un petit peu dans tous les sens. Et le protagoniste est devenu beaucoup moins appréciable à partir d'un certain moment, en fait. Ok. Ben voilà, en parlant de bouquins que tu as apprécié, quel est ton dernier coup de cœur en date? Ou alors le dernier coup de cœur récent, hein? C'est pas forcément le tout dernier, mais celui dont tu as envie de nous parler aujourd'hui. Alors du coup, mon gros coup de cœur de, je vais dire au final presque de 2021, je crois que c'est ce que j'ai le plus apprécié. Il s'agit d'une série de BD qui s'appelle Les Ogres Dieux, qui est de l'auteur scénariste, il s'appelle juste Hubert. Alors c'est son nom de c'est son nom de d'auteur, mais je au dessin c'est Gatignol. Alors là, je vous avoue que je ne connais pas du tout ce qu'il a fait d'autre, mais en fait, c'était en plein dans une période où je n'arrivais pas à lire de romans. Je venais de finir un tome de La Roue du Temps que je n'avais pas apprécié du tout, qui était le tome 10. Globalement, j'aime bien... Non, globalement, j'adore la série, hein, mais... Enfin, j'apprécie la série, je sais pas si je peux dire que je l'adore, mais là, le tome 10 m'avait vraiment refroidi. Et après, je m'étais retrouvé... à lire un roman qui me plaisait pas du tout, juste après, dans lequel j'arrivais pas à rentrer, et donc du coup je me suis dit bon, je vais me changer d'air, et je suis allé m'acheter une BD un petit peu au hasard, enfin en suivant les recommandations du vendeur sur place, et du coup je suis reparti avec Petit, qui est le premier tome des Ogres Dieux. Et en fait, ça raconte l'histoire de géants qui vivent dans une vallée et qui utilisent les humains à la fois comme serviteurs et à la fois comme nourriture, en fait. Et du coup, qui dominent complètement cette vallée. En fait, à la base, c'est toute une dynastie qui s'est créée quand il y a un homme qui était très très grand, qui mesurait peut-être 2,50 m, qui est arrivé dans la vallée, qui a
et d'aller conquérir toutes les peuplades qui habitaient sur place. Et au final, il s'est mis à avoir des enfants. Et en fait, ces enfants, au final, de génération en génération, étaient de plus en plus grands. Sauf que ils sont jusqu'à au point de devenir vraiment gigantesques. Donc là, je pense, je sais pas si on voit sur la couverture que t'as mis sur le stream. Ouais. On voit, en fait, on voit le personnage de petit qui ouais. est tout au premier plan et qui est tout petit devant son père, parce qu'en fait l'histoire ça raconte justement l'histoire de petit qui est en fait le fils du roi et de la reine des géants qui est à peine plus grand qu'un humain. En fait, et qui est né, à peine plus grand qu'un humain, il mesure 3 mètres de haut en fait. Hein, mais, Ah oui, quand même. Voilà. Mais du coup, c'est un peu la honte pour les géants qu'un truc pareil ait pu naître en fait. Et donc, du coup, la première chose qu'il fait, c'est que quand il naît, sa mère ne s'était même pas rendu compte qu'elle était enceinte. En fait, c'est juste littéralement dans la scène, en plein repas, le bébé qui tombe de la robe de... What? Le bébé minuscule qui tombe de la robe de sa mère. Et son père, immédiatement, a envie de le manger, en fait, de s'en débarrasser, tellement c'est honteux pour lui d'avoir un rejeton aussi minuscule. Au final, sa mère le sauve, elle le protège, il est confié auprès de sa... On va dire la tante végétarienne de la famille, c'est un peu particulier. Et du coup, il doit vivre comme ça auprès de, en fait, dans un château gigantesque où il est ni complètement à sa place parmi les géants, ni à sa place parmi les humains. Et c'est vraiment super. Et après, c'est le premier tome et il y en a 4 en tout et ils sont tous un petit peu standalone, donc ça se lit très très bien. Ok. Oh là là, ça a l'air hilarant. Enfin, je sais pas si c'est censé ouais. être du comique ou... C'est plutôt gothique. C'est vraiment... Oh. Ça devient vraiment glauque à certains passages parce que, en fait, il y a le souci du fait que les géants, en fait, quand ils se reproduisent entre eux, et ben souvent, il peut se passer le fait que les enfants suivants, en fait, soient tellement grands que... au point d'en déchirer le ventre de leur mère à la naissance. Mmh. Donc du coup, petit, il a, enfin en cours de route, il tombe amoureux d'une fille humaine, mais en fait il a peur d'être avec elle parce que il sait très bien que si jamais il lui fait des enfants, et ben ça risque de la tuer. Mais du coup, ça fait que les géants aussi, vu qu'ils peuvent pas se reproduire pour question de taille, en fait ils sont obligés de se reproduire entre eux et ils deviennent de plus en plus consanguins et de plus en plus cruels et de plus en plus débiles, en fait. Ah oui, quand même. C'est très bien. C'est entièrement en noir et blanc avec un style graphique qui est pas super réaliste, hein, mais qui va très bien avec l'histoire qui est racontée, je trouve. Ok, très intéressant. Bah, c'est justement, il y a ça qui dit, par contre, c'est assez trash à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est ça, hein, c'est le côté gothique que tu mettais en avant. C'est-à-dire que la première scène, justement, ce que je disais, c'est en plein repas, il y a la naissance de petit. Et en fait, ils sont en train d'avoir un repas où ils sont tous en train de manger des humains, etc. Donc c'est... assez glauque, hein. Mais c'est intéressant. C'est très intéressant. J'avais lu... attends, je vais juste prendre les commentaires, après je mettrai... je parlerai de ce que j'ai lu, qui me fait un petit peu penser justement à ce que tu décris ici. On a Yasrid qui dit « Hubert, je viens de lire sa BD Peau d'homme cette semaine, c'était chouette. » Tu l'as lu aussi, celle-ci ? Non, je ne l'ai pas lu, mais du coup, elle fait partie des trucs que j'ai l'intention de lire prochainement. Donc, j'en ai entendu du bien aussi. Alors, je ne savais pas que c'était lui, les ogres dieux. Cornelius en avait bien parlé, si je ne me trompe pas, faut que je check s'ils ne l'ont pas à ma bibliothèque. Oui, bah du coup, suis la recommandation de Julien et va voir de quoi il en retourne. Zorak nous dit en roman FR, les sentiers des astres de
plateau a l'air sympa, je ne connais pas. Est-ce que tu l'as lu? Il est dans ton répertoire? Pas du tout, là je le connais pas du tout. Pas de soucis. Après justement ce que je disais c'était que j'essayais de me mettre, de me lancer dans la lecture de fantasy française, donc du coup j'ai pas non plus plein de références. Ça marche. Merci pour le follow, Skyroom. Donc oui, voilà, là, je pense que tu seras servi. Si tu en demandes, je pense que le chat peut t'en donner des 1000 et des 100. Chacha, nous parlons de Petit. C'est donc le... Est-ce qu'on dit premier tome aussi pour les bandes dessinées? J'en lis tellement peu que je sais même pas comment ça se dit. Des ogres dieux. Voilà, qui est sur le petit côté ici. J'avoue que la couverture était tellement de bonne qualité que quand je les rapte ici, on voit pas aussi bien, mais on comprend l'idée. Voilà, level up, merci. Hop, je pars le réserver à la médiathèque. Tu m'as convaincu. Bah voilà, Runix est convaincu. Julien qui convainc Super. Julien. et puis Marilou qui prend aussi note du titre. C'est magnifique. Bienvenue à toi, Skyroom. Donc, ce que je disais, c'est que bon, on va partir dans du glauque, hein, puisque de toute façon, on y était déjà. J'ai lu une bande dessinée. Alors, je ne sais plus. Je crois qu'elle a été traduite en français. Je ne sais plus quelle était la langue d'origine. Je sais que je l'ai lu en portugais parce que je l'avais acheté quand j'étais... Enfin, quand ma maman était au Brésil, elle l'a trouvé, puis du coup, je l'ai pris là-bas. Mais c'est une bande dessinée qui est en anglais. Je sais que le titre, c'est Beautiful. Je vais essayer de vous retrouver ça. Mais en gros, tu suis la vie de petits êtres, de tout petits êtres. Parfois, ont un peu l'air d'insectes. Et des fois, c'est des mini-êtres humains qui vivent dans les... Donc, je crois qu'ils étaient dans une prairie en l'occurrence, mais qui vivent leur vie dans la nature. Et en fait, ils trouvent le corps, le cadavre d'une petite fille. Et en fait, tu vas voir comment est-ce qu'ils vont vivre leur vie en fait, si tu veux, c'est une grosse métaphore de comment est-ce que le corps se décompose, si tu veux. C'est glauque, hein, je l'ai dit que c'était glauque. Mais c'était c'est tellement environnemental, poétique. En fait. Hein? C'est à thème environnemental en fait ou... Dans quel sens? Bah, dans le sens où ils se font affaire à un truc qui se décompose petit à petit. Enfin, est-ce que c'est par rapport à la métaphore un peu de la planète, etc. Ou... Je suis pas sûre que ce soit vraiment ce qui concerne la planète. Pour le coup, c'était vraiment le corps humain. Mais d'accord. Tu vois, c'était tellement amené d'une manière entre guillemets poétique parce que c'est des beaux dessins et tout. Mais c'était hyper dérangeant. Mais en même temps, bon, c'est assez drôle de dire ça, mais franchement, je sais pas si... J'ose demander à mon assistant Fabio, t'arrives à... Et donc à... du coup, ça s'appelle Beautiful, ouais, je vais regarder, parce qu'il me faut le nom de l'auteur. tout en bas, Binou, je crois sur la... Ah oui, regarde, tout à droite, tout en bas, t'as une bande dessinée. Voilà, le dos est orange. Je vais vous montrer. Et parce que je sais plus, je crois que l'auteur avait un nom qui sonnait un petit peu à allemand. C'est pas ça. Hein. Ah non, c'est pas ça. Elle est où? Ah mince, je sais plus où elle est du coup. Bah, c'est pas grave, je vais vous retrouver. Beautiful. Je sais pas, BD, est-ce qu'on va trouver ça? Je l'avais montré une fois sur la chaîne, mais ça fait un petit moment, effectivement. Mais au pire, je vous montrerai ça après, quand on aura fini le live, je vous le mettrai dans le chat. Salut Amy, merci pour ton troisième mois d'abonnement. Comment tu vas, Amy? Hello, hello. Ouais, non, je sais pas où je l'ai mis, par contre. Il est pas sur la gauche. Bon, c'est pas grave. Je vais pas prendre sur le temps de live, mais... Ah, ça m'embête de pas savoir le... Ah! Non, mais je suis quand même curieuse. C'est pas un truc qui est hyper... Beautiful, si ça plaît, je crois. Ah, voilà, pardon. Beautiful Darkness, par Fabien Vellman. Et il me semble qu'il a été traduit. Beautiful Darkness, je vais vous le mettre dans le chat. Hop, avec le nom de l'auteur. C'est vraiment glauque, mais c'était assez beau, joli, bien dessiné, les dessins étaient sympas. Jolies ténèbres en français, voilà. Hop. D'accord. Voilà. Alors, je regarde ce que c'est.
Tip top. Tac. Puis du coup, en attendant que tu regardes, je vais vite rattraper le chat. Ah oui, effectivement, c'est... Ah, mais je crois que je l'ai vu dans la boutique où justement j'achète mes BD. C'est... Ah bah voilà, tu vois, c'est... Si ça, te, si, ta, si ça pique ta curiosité, n'hésite pas à feuilleter, tu verras tout de suite un peu le mood, on va dire. Ok. Alors, en Fantasy FR, il y a Gabriel Katz que tu connais, alors moi j'ai lu. L'auteur a en plus des affinités avec le jeu de rôle, si je ne me confonds pas. Bah tu vois, si je ne confonds pas. Gabriel Katz, ça j'avoue, j'ai lu. Pas fan, mais... Gabriel Katz, c'est quoi? C'est Le Puits des Mémoires, notamment. Il y a 3 tomes, sauf erreur. Je sais pas s'il y en a plus. Mais Le Puits des Mémoires, je crois que c'est sa saga la plus connue. Je sais pas s'il a écrit autre chose. Ouais, non. Du coup, je connais son nom, mais c'est vrai que j'ai rien lu de lui. Mais... Ok. Donc, recommandé par Yasril. Et si effectivement il a des affinités avec le jeu de rôle, ça peut être un plus, hein, qui sait. Ouais, mais en fait, ça c'est marrant parce que justement, les auteurs que j'ai lus dernièrement, qui du coup qui sont des auteurs français, à la fois Jaworski et Gabory, et puis juste avant j'avais lu Chien du haut, mais Mordre le bouclier de Justine Niogré, systématiquement dans leur présentation, enfin, c'est « Ah, et entre autres, ils sont fans de jeux de rôle, nanananana. » Ah, bah, en général, mais c'est... apparemment, c'est doit être le truc commun aux auteurs français. Enfin... Ouais, et puis... D'ailleurs, mais... oui, vas-y. Non, mais en fait, d'ailleurs, même pas forcément français, parce que je crois que Rothfuss, par exemple, dernièrement, je le vois plus souvent en train de faire des lives de jeux de rôle que... que d'écrire, tu peux le dire. Ouais, oui. Non, mais je pense surtout que c'est des univers qui sont parallèles. Enfin, ouais, c'est peut-être pas la bonne bon univers parallèle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si t'aimes la fantasy en général, tu es toujours dans cette recherche justement d'évasion et le jeu de rôle, c'est parfait pour ça, je trouve. C'est vraiment être le propre héros de tes bouquins, quoi. Et c'est trop bien. Tu fais des bêtises, mais c'est cool. Est-ce que tu es toujours parmi nous? Ah, je crois qu'on a eu un bug. Ou est-ce que c'est moi qui ai bugué? Le chat, est-ce que c'est moi qui ai bugué? Faites-moi un signe. Est-ce que... Non, t'entends, ok. Ah, on a perdu Julien alors. Je crois. Je vais du coup, en attendant, lire les petits commentaires qu'on a eus. Salut du coup, Amy, comment ça va? Si on prend le chapeau, est-ce que l'invité a un chapeau rigolo aussi? on peut s'organiser. Par contre, j'ai pas de chapeau sous la main, j'avoue que là, ils sont pas prêts. J'en ai pas sous la main, mais je peux éventuellement demander à Fabio, mais j'ai un bonnet par contre, qui est assez prêt. Donc, Angelfic, merci pour ton commentaire. Petit coucou, j'entends qu'on parle du Sentier des Astres. C'est absolument merveilleux comme saga, une plume poétique et sensorielle, atmosphérique, un univers entre mythologie nordique et hindoue et des personnages forts. On suit deux gabarres qui voguent vers un oracle pour régler le conflit qui déchire leur royaume dans une guerre civile. Trouve un homme sur le fleuve qui leur racontera son histoire. Ça a l'air génial. Angelfic, tu as un don pour nous faire une mini chronique et nous donner envie. C'est fou ça, merci beaucoup. Velman est français, c'est celui qui a écrit Seul. Ah, ok, je savais pas. Enfin, après, je vois pas mal de couvertures de bandes dessinées qui passent, mais j'avoue que je ne vais jamais m'intéresser plus que ça. C'est pas trop mon... Ah, j'ai un petit message. Coupure subite de mon ordi, désolé, je comprends pas ce qui vient de se passer. Eh ben, Julien, si tu nous écoutes, pas de soucis, relogue-toi, prends ton temps, j'ai des commentaires à rattraper, y a pas de problème. No stress. Pam pam pam, il me semble que Le Puits des Mémoires est en fait une adaptation d'une campagne. Ah, c'est vrai? Ah, je savais pas. Ah, c'est intéressant du coup. Enfin, ça me fait voir l'histoire d'une manière un peu différente. Peut-être que, effectivement, ça... Bon, après, c'était pas mauvais, mais c'était vraiment pas ce qu'il me fallait quand je l'ai lu. Et je pense que c'est une très bonne fantaisie, mais vous voyez, ça coche pas les cases de mes préférences personnelles. Mais c'est intéressant comme fact.
Pareil, pas fan depuis des mémoires. On t'entend, ok. Non, tu es toujours là pour nous. Dans les deux sens du terme. Je suis là et maintenant, mais je suis toujours là pour vous ici. Il est parti acheter la BD dont tu lui as parlé. C'est peut-être ça, hein. Julien, reviens. Mince, mes calcium quand il était prêt à être dépensé. Garde-les, t'en fais pas, l'inflation, elle est là, pas de soucis. Alors, je vais attendre Julien qu'il arrive. Pam, pam, pam. En attendant, qu'est-ce que je peux vous... Est-ce que je vous ai déjà dit que ma lecture en cours allait beaucoup trop bien, et puis que vous ayez... faut que vous alliez commander le livre avant qu'il sorte, là? Est-ce que je vous ai déjà dit que c'est probablement ma meilleure lecture de 2022, alors que ça vient de commencer l'année? Oui. Oui, 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 je défendrai ce bouquin corps et âme. Je l'ai même pas fini, mais... Il est si bien. Il est si bien. Oh, voilà. Revoilà Julien. N'hésite pas à venir te reconnecter, comme ça on peut conclure et on passera à Sandra pour la suite. Merci, c'est une de mes sagas favorites au niveau de Rochard, c'est vrai. La plume de Plateau a des accents à la Jaworski. Pour les fans de Gagner la guerre ou Roi du monde. Ah bah ça, ce sera bien pour Julien. Julien, tu es là? Oui. Oui, nice. Bah, t'arrives à point nommé parce qu'on a un petit commentaire, je sais pas si tu l'as vu, qui dit que, justement, alors c'était le livre de Plateau, Les Astres, j'ai déjà oublié le titre. Attendez, je vais regarder. Qui comparait ça, alors... Ah non, mais attends, c'était Arunix, quoi, je crois, qui avait beaucoup aimé Gagner la guerre. Attends, je confonds, j'ai deux invités, mais je les confonds déjà. En même temps, vous avez le même prénom, hein. Sorry. Sentier des Astres, voilà, qui dit que... C'est angélifique. Voilà. C'est au niveau de Rochard, la plume de Plateau a des accents à la Jaworski pour les fans de Gagner la guerre ou Roi du monde. Si ça peut te tenter, c'est là. Okay. Merci Angelfic. Eh ben, j'en prends bonne note. Hein. Oui, à ce point-là, Amy, à ce point-là. Pardon, excuse-moi, vas-y, dis-nous. Non, je crois que j'ai fait le tour, en fait. Au final, je reviens à la dernière minute pour... Mais oui, bah écoute, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, que ce soit au niveau des lectures, au niveau... peu importe, un petit message, je sais pas, une dédicace à quelqu'un. on va dire dédicace à tous les gens super avec qui je fais du jeu de rôle et aussi à tous les gens super sur le Discord de Michaela. Oh mais c'est chou, merci. Mais oui, bah merci à toi pour être un super MJ et j'ai trop hâte de reprendre nos aventures, ça va être trop chouette. Peut-être, qui sait, un jour on fera un petit jeu de rôle en live. Ça pourrait être pas oui, mal, hein. Bah, ça, j'aimerais bien. Donc, à voir si j'arrive à mettre ça en place, parce que en fait, faut que j'apprenne à utiliser Twitch comme il faut pour le faire bien, mais. Ouais, mais ça demande. J'aimerais bien. Ça demande effectivement un peu de logistique ou de connaissances. J'allais dire informatique, non, mais dans le sens où si tu veux... à distance, quoi, que c'est peut-être plus simple, parce que chacun a sa caméra. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je regarde les grosses campagnes, tu sais, où t'as les gens qui sont en présentiel et il y a plusieurs caméras, oh, ce serait le rêve, ça. Ce serait vraiment bien, oui. T'imagines. Ah oui, oui, non, ça, clairement, ce serait super. Par contre, il faut avoir quand même le groupe de joueurs dédiés. Et ah, après, oui. En fait, quand c'est les... souvent... quand c'est les grosses campagnes super sympas qui sont fun à regarder, c'est souvent avec des acteurs professionnels. Ah oui. Et autant c'est super de faire du jeu de rôle en live et de présenter ça à des gens, autant un truc qui est important, c'est que les gens se disent pas que pour que le jeu de rôle soit bien, il faut que ce soit avec des gens qui aient des super talents d'acteurs incroyables. Ah non. Ouais. Effectivement, nous on a commencé en tant que débutants et débutantes. Débutantes, je crois qu'on était que des débutantes. Et c'est passé. C'était magnifique. C'était une découverte. Je vous promets, après la première séance de jeu de rôle, j'étais tellement
contente de d'avoir pu faire cette expérience, de faire mes décisions, de pouvoir vraiment être la maîtresse de mon destin. Enfin, c'était incroyable. Donc, si vous hésitez, foncez. Et puis, je vous ai mis encore la chaîne, sa chaîne Twitch à Julien. Comme ça, si jamais, allez déjà suivre pour peut-être un jour, qui sait, avoir du jeu de rôle. Ce serait trop cool. En tout cas, tu nous tiens au courant. Hein. Yes. Magnifique. Ça. Eh ben merci beaucoup. Je te retrouve peut-être à la toute fin pour le revoir. Et on va accueillir du coup Sandra. Ça marche. À toutes. Des bisous. Ciao, ciao. Bye, bye. Oui, je file, je regarde. Le reste en replay. Ça marche, Yasrine. Merci beaucoup pour ta compagnie. Je suis en train de précommander Justice of Kings. Tu as trouvé une influence sur nous. Ah non, mais franchement, tu vas pas être déçu. Si t'as aimé, comme je te dis, c'est pas la même chose. Je vais pas comparer les récits, mais au niveau du ressenti que moi j'ai eu, c'est le même que pour The Name of the Wind. Donc, je dis ça, je dis rien, mais je pense que ça va plaire à beaucoup de monde, surtout les personnes qui aiment ce rythme un peu plus lent. Merci Hermione, oula, ouais, pour le follow, merci. Qui aime ce rythme un petit peu plus lent et qui adore découvrir comme ça une histoire qui va vraiment les attraper, les happer comme ça, franchement, ouais. Allez-y. Est-ce que Sandra est parmi nous? Oui! Je suis là. Oui, trop bien. Sandra, est-ce que tu m'excuses une minute le temps que je regarde si j'arrive à connecter ma lumière? Non, je crois pas. Hein. Bien sûr. J'ai eu le même problème que la dernière fois, j'ai toujours pas eu le temps de régler ça. Je vais voir si en mettant mes LED au max... Ah, ils veulent pas obéir. C'est ça le max? Ah, ouais, bon, ouais, ça va. Belle ambiance cosy, hein, on va pas chercher trop loin. Comment ça va, Sandra? Ça va, tranquille. Je viens de finir ma relecture de Harry Potter, donc le premier tome d'Harry Potter. Donc c'est cool. top, ta relecture un petit peu en mode nostalgie, c'est ça, avec tu nous as montré sur ton Instagram, que je t'invite aussi à mettre, ouais. Si tu es dans le chat, elle nous a montré son livre, son premier tome d'Harry Potter, mais complètement. Alors, vous me traitez d'hérétique parce que je casse le dos et que je corne une page, mais alors, si vous voyez l'état de l'exemplaire de Sandra, bon, après, il y a du vécu derrière, mais quand même, j'irai pas jusqu'à là. Il a plus de 20 ans, ce livre, quand même. Ouais, mais... Non, mais je le trimballais. Alors, avant... Vraiment, je prenais pas soin de mes livres pour la simple raison que je les trimballais partout. Absolument partout. Dans mon sac d'école. Genre, des fois, j'enlevais des trucs de... Je prenais pas la moitié de mes devoirs ou juste pour prendre un ou deux livres avec moi. Et bah, bien sûr, coincé entre d'autres livres, c'est... Il a vécu, il a pris l'eau, il y a eu du thé, du café, je pense, dessus. Tombé dans le bain, non? Sûrement. Il a vraiment tout vécu, ce premier tome. Je l'ai lu plus de 20 fois. Je me suis arrêtée de le compter au bout d'un moment. Mais ouais. Donc, du coup, ouais. Et là, avec la sortie des documentaires sur les 20 ans et tout, j'avais un besoin de reprendre cette édition et de relire dans ce lieu-là. Trop bien. Oui, Hermione, pardon, j'étais un peu... Bah, tu vois, on parle d'Harry Potter, on a Hermione qui est là. bienvenue à toi, comment tu vas? Et merci aussi à Jonathan pour le follow, bienvenue à vous deux. Soyez les bienvenus par ici et j'espère que vous allez bien. Je suis un peu perturbée par cette luminosité. Attends, juste encore une chose. Assistance, Binou, est-ce que tu peux allumer la lampe qui est à côté de toi? Mais pour ça, il faut que tu débranches ton chargeur d'ordi et que tu arrêtes de travailler. Merci. Il y a tout le monde qui te dit salut Sandra, il y a Loïc, il y a Marco, coucou. Il y a Rondoudou. Son livre a fait la guerre, il y a Marie-Lou. Oui, alors si vous avez vu les photos sur Insta, effectivement, il a vraiment fait la guerre, il perd des pages. Non, j'ai un peu honte, mais je peux pas m'en séparer, il est au fond de ma bibliothèque. Je comprends bien. La petite lampe aussi, la Binou. Voilà, j'ai mis mon pseudo. Qui est mon parfait. Pseudo Instagram et mon pseudo Twitch, en fait. Oui, magnifique. C'est vrai que tu as aussi une chaîne Twitch. Alors, attends, on va faire les choses dans l'ordre, parce que j'ai noté. Merci beaucoup, Binou. Est-ce que tu peux d'abord te présenter, le temps que j'ai cherché ta chaîne? Oui. Alors, je m'appelle Sandra. J'ai 34 ans, bientôt. je suis suisse. Yay! Compatriote. Oui. Je suis passionnée de lecture, de beaucoup de choses en fait. Je suis quelqu'un qui est très passionné dans la vie et qui vit un peu dans un monde imaginaire. Mais voilà, j'aime la musique, j'aime le crochet, j'aime
J'aime juste faire des puzzles. Bref, j'aime faire juste un peu tout ce qui me passe sous la main, des jeux vidéo. Top. Et puis, non, moi, je suis la lecture. Voilà, mais je recommande vraiment sa chaîne Twitch aussi parce que c'est vraiment cosy, toujours posé, fait ses listes de lecture. Des fois, tu ranges ta bibliothèque, tu fais des crochets de thé, tu fais du crochet, voilà. C'est vraiment très relaxant si vous cherchez quelque chose à mettre en fond et pour discuter de lecture, c'est parfait chez Sandra. Merci. Mais de rien. Mais c'est vrai que c'est un petit endroit où on est juste bien, où on parle de tout et de rien, mais bah, très souvent de lecture. C'est top. Voilà. Allez lui mettre un petit follow. Voilà. Et puis Julien nous dit, mon lieu de lecture de prédilection, c'est dans la baignoire. Tous mes livres lus sont dans un état immonde parce qu'ils ont tous eu droit à des séances de vapeur. Moi, j'avoue que j'ai... la liseuse. Bah, c'est ça. Bon, la mienne, je crois qu'elle n'est pas waterproof, par contre. C'est une ancienne version, je testerai pas. Mais effectivement, la vapeur... Alors, j'ai renversé l'autre jour un truc sur un bouquin, mais je sais plus lequel. Ou c'était pas moi qui avais renversé? Ah, je sais plus. Ah non, fait, quelle bobette. C'était l'histoire, la fameuse histoire de Binou qui a fait tomber mes livres dans la neige. Ça aussi, ils ont un peu ramassé, ils ont un peu gonflé, tu sais. Donc je me dis, la vapeur, effectivement, ils doivent aussi un petit peu... le papier doit imprégner le... Enfin, la vapeur doit être... Ah bref, vous avez compris, la vapeur dans les bouquins, les pages, ça gonfle, ok. Merci, ah. Chacha. Je viens de voir le petit message. Oh. Et coucou Foxy. Oui, il y a Foxy. Magnifique, bienvenue à toi Foxy, comment tu vas? Où est l'assistant quand on a besoin de lui? Son et livre Binou mérite... Au travail. Ouais, Binou au travail, c'est ça. Hashtag Binou au travail. Ah là là. Du coup, Sandra, effectivement, t'as ta chaîne Twitch, tu t'es présentée, magnifique. Quelle est ta lecture en cours? Alors, bah, je viens de finir le premier tome d'Harry Potter, comme je l'ai dit. Voilà. Mais autrement, je suis en train de lire Name of the Wind, ou Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss. Le voici, le magnifique, le grand et le seul. Name of the Wind. Le seul et l'unique. Voilà. Ouais. Et là, on a vraiment bien avancé, on est aux trois quarts. Je le lis avec Chloé et Lunt, qui sont aussi dans la communauté de Mimi. Et vraiment... Ouais, je comprends ce que tu dis, parce que vraiment, émotionnellement, il est incroyable, ce livre. Surtout que je suis dans une période où je suis vraiment à fleur de peau, je pense que ça... Vraiment, c'est compliqué à certains moments de lire ce livre, mais c'est tellement incroyable les émotions par lesquelles on passe. C'est... Comme je te l'avais déjà dit, mais le prologue, il décrit juste le silence sur une page ou deux, et genre, j'en avais des frissons, les larmes aux yeux. Et j'avais de la musique et je me suis levée éteindre la musique pour relire ça. Ce qui m'est jamais arrivé vraiment de faire ça comme ça, mais c'était incroyable. Et même le premier... Genre déjà, j'avais déjà les larmes aux yeux dans le premier... dans le prologue et dans le premier chapitre. Et c'est juste... On est tellement investi avec cette plume qui est très lyrique. Et ouais. Je comprends tout ce que tu disais... Et je savais que ça allait me parler. Franchement, ça fait des années, ça fait depuis 2016, je pense qu'il est dans ma pile à lire ce livre. Et je l'ai jamais. J'avais trop peur, vraiment, de me lancer dedans. Mais voilà. Et là, je peux te dire qu'on est les trois complètement subjugués par cette lecture. Et on sait déjà qu'on va continuer avec le 2. On va enchaîner le 2. Ah ouais. Non, mais que. Vas-y, finis, pardon. Non, non, mais je disais, on les a commandés sans se dire. En plus, c'est vraiment drôle parce que. Et vraiment, on dit, ouais, j'ai commandé le 2, je vais le recevoir. Ah oui, bah moi aussi, en fait. Ah oui, moi aussi. Donc, c'est vrai, tu parles pas de Skyward. Non, je sais. Là, je parle de ma lecture en cours, mot. Alors, bonne question, mais est-ce que The Name of the Wind dépasse Skyward? C'est complètement différent, en fait. Ouais, hein. C'est dur. Tu peux pas comparer. C'est difficile. Skyward, en fait, faut savoir, Skyward de Brandon Sanderson, donc, qui est de la SF, déjà, ça n'a rien à voir. La première fois que je l'ai lu, mais j'ai cassé les couilles. Pardon, cassé les pieds à absolument tout le monde. Ma mère, j'étais en week-end avec elle, on était à un concert. Je faisais que lire Skyward et je lui expliquais toutes les batailles spatiales, les machins. Et ma mère, je pense qu'elle n'avait rien à faire. Mais elle m'écoutait, elle m'a dit, je t'ai jamais vu comme ça pour un livre. C'était vraiment un truc de dingue. Et je me lasse jamais de le relire.
Mais c'est vrai que le nom du vent, même si Skyward a un grand impact émotionnel sur moi, c'est pas comparable au nom du vent. Ouais. C'est vrai que c'est très très différent. C'est deux styles presque aux opposés, j'ai envie de dire. Mais il y a tout des ce que tu personnages dis. Qui sont tellement attachants. Il y a encore là, on discutait tout à l'heure. Il y a un personnage qu'on veut tellement savoir plus dessus et que chaque fois qu'on voit, on a genre, je sais pas, on a le sourire rien qu'en lisant les chapitres. Et on est à la fois, après, on est frustré parce qu'il n'y en a pas assez. Je pense que tu vois de qui je parle. Mais oui. Ouais. Des personnages qui nous agacent, des personnages qu'on hait au plus profond de notre âme. En fait, il n'y a pas de. Ah là là, tout ce que tu dis, ça me... Enfin, en fait, on sent ton émotion quand tu parles. Genre, vraiment. Tu sais, t'as la voix toute tremblante et tout. C'est incroyable. Ça, j'ai les larmes aux yeux rien que d'en parler. Je te dis, oh. Bon, ces temps, je suis tellement en mode à fleur de peau que ça arrange rien du tout. Mais c'est vrai que si vous avez pas... Si vous aimez les écritures lyriques, parce que bien sûr, il faut pas s'attendre à un livre où il y a tout plein d'actions et tout. Il se passe tout le temps quelque chose, on s'ennuie pas. Mais c'est vraiment une histoire de vie, en fait. Il raconte sa vie. Exact. On sait pas où il veut en venir. On sait juste qu'il a un but ultime. Et voilà. Voilà. J'en profite pour dire bonjour à David, qui est arrivé entre temps. Et Foxy, j'espère que ça va aller. Elle me dit qu'elle a eu une semaine difficile et une mauvaise nouvelle. Oh. Foxy, on pense fort à toi. Des petits cœurs. Oui, plein de petits cœurs. Voilà, on espère que ça va aller. Hein. Voilà, reste avec nous, écoute nous parler, blablater, rigoler, en espérant que ça te remonte un peu le moral. Donc oui, Sandra, j'ai rarement autant pleuré que sur The Name of the Wind, nous dit David. Bah ça m'étonne pas. Je sais pas, est-ce que j'ai pleuré? Je crois que j'ai... Enfin, je pense pas que j'ai pleuré, mais je sais qu'il y a un moment, et c'est au tout début, c'est quand on en apprend plus sur son enfance, mais j'étais choquée en fait. J'en dirais pas plus. Il y a ce chapitre-là, il est incroyablement comment il est écrit. Je pleurais, mais genre à sanglots, tu sais, ouais. Vraiment. Et genre, c'est rare, tu lis un livre et tu pleures à sanglots. À un certain moment, tu sais, mais what, qu'est-ce qui se passe dans ma tête là? Rien que j'en pensais, j'ai vraiment les larmes aux yeux là. Mais parce que c'est incroyable, c'est tellement, tu te mets à la place de la personne et... C'est ça, et puis tu vois, même si ça reste de la fantasy, je trouve que c'est une expérience tellement... Enfin, la plume, le personnage, le livre, c'est tellement bien fait, bien écrit, bien mis en place, que t'as presque l'impression que c'est réel, et puis au-delà de ça, c'est des situations qui... Je pense pas que Patrick Rothfuss, il est passé par là, tu vois. Enfin, j'en sais rien, hein, je connais pas sa vie, mais ce genre de situation, enfin. Tu sais, que t'arrives à décrire sans avoir vécu, et qu'après tu te dis, mais en fait, il y a plein de gens dans notre monde réel qui doivent passer par ça, et sur le moment tu te poses le bouquin, t'es là, putain mais c'est horrible en fait, tu sais, ça, non seulement t'es dans le monde fantasy parce que voilà, tu veux ton évasion et tout ça, mais en même temps t'as une petite un petit lien comme ça avec le monde réel où tu te dis, punaise en fait enfin après, moi, voilà, ça dépend des personnes, il y a des gens qui sont tout à fait conscients et conscientes de ça tous les jours, mais des fois par exemple, moi qui suis tout le temps dans la fantasy, puis je sais que Sandra est assez comme moi, on est tout le temps la tête dans les nuages, ça te fait une piqûre de rappel, t'es là. Ah ouais, mais en fait, notre monde, ça craint, hein. C'est horrible. Et là, je pense par exemple aussi la façon dont le personnage, alors sans spoiler quoi que ce soit, c'est un musicien, entre autres, entre plein de choses, mais la façon dont il parle de la musique, alors moi déjà qui ai vraiment un amour pour la musique, j'en fais pas du tout ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une part très importante depuis que je suis toute petite. Puis même la façon dont il est passionné par quelque chose où en fait il en pleure tellement ça lui fait du bien de faire sa musique. Il est le personnage, il a pas de, il est brut en fait. Il est toute émotion. C'est un truc de fou et il est passionné. Et ça, je pense que Mimi, pour la même chose, on est un peu la même chose. On se retrouve là-dedans aussi de genre, il met toute son âme dans quelque chose quand il le fait. Donc ouais. Cette passion, tu sais, que tu as quand tu fais quelque chose et tu t'en rends même pas compte du temps que tu passes à faire
à que ce soit pour la musique, à t'entraîner, ou alors le temps que tu passes à lire, ou non, non, c'est des trucs tellement bruts, c'est des émotions intenses et complètement à fleur de peau, comme tu disais. C'est ouais, franchement, si vous hésitiez encore à lire Le Nom du Vent, enfin franchement, je sais pas ce que vous attendez. Après, ça peut peut-être, certains n'ont pas cette émotion, Ah non. cette émotivité-là et cette sensibilité-là, tout simplement, hein. Ah ça c'est Et sûr, il y peut-être que a... ça va pas du tout vous toucher, Non. c'est pas grave, mais... Non, c'est vraiment pas pour tout le monde. Je pense que ça va résonner avec un certain type de personne. Peut-être pas d'autres. Moi j'ai vu plein de reviews où ils disaient ah, mais c'est Le Nom du Vent. Bah, Fabio par exemple, qui n'a Il pas se aimé Le passe Nom du rien, Vent. c'est chiant. Voilà, il dit ah, mais il se passe rien et tout. J'étais là, mais t'as pas compris. Non, mais en soi, il y a des... voilà, plein de goûts et des couleurs, c'est pas un souci, mais je pense que ceux qui lisent Le Nom du Vent et qui aiment, on ne saurait pas. Enfin, toi, tu mets des mots très bien dessus, tu sais bien l'expliquer, mais moi, c'est avant que tu décrives le bouquin, c'est des trucs que j'arrivais pas forcément à expliquer, tu vois. C'est un truc qui m'a touchée, mais c'est unique, tu vois. C'est pour ça que quand je dis que j'ai un peu le même ressenti avec ce bouquin, c'est que je dis oui, c'est super bien, mais en même temps, ça va tout doucement, donc les gens vont peut-être pas aimer, c'est trop lent, machin, machin. Et puis je me dis non, c'est juste le ressenti, tu sais, c'est l'expérience, le moment T où tu lis ce bouquin, et puis ça t'embarque complètement dans quelque chose dans une aventure, mais au-delà de ça, je sais pas. Un des rares livres qui m'a fait ça, en fait, vraiment avec cette écriture lyrique, c'est Night Circus de Erin Morgenstern. Ah oui, j'ai pas Qui, lu Night alors, c'est Circus, mais... complètement différent et je pense pas que c'est le même niveau non plus, mais vraiment, je peux que vous conseiller de lire Night Circus parce que c'est une écriture très très lyrique et justement qui vous balade par des émotions. T'envoûte, ça t'envoûte, ça Ouais, t'ensorcelle, voilà. écoute, c'est ça. Alors, on a des commentaires. Aronix, je sens que je vais relire en VO avant la fin de l'année. J'oublierai quand une Madeleine encore. Oui, pam pam pam. Ça se sent effectivement, Sandra vit ce livre à fond. Oui. Oh, Oui. Foxy, des trucs qui passeront avec le temps. Ah, vous êtes adorable. Je vous aime, on t'aime aussi fort, Foxy. Vous êtes en train de me donner envie de recommencer. Vous êtes en train de me donner envie de recommencer. Et David, le meilleur chapitre selon moi, où j'ai vraiment fondu en larmes tellement c'était beau, c'est le chapitre dans la taverne. Ah oui, et la démonstration avec la musique. Ouais, Ouais. ça c'était intense aussi, hein. Ouais, quatre s'échappe. Ouais, attends, mais c'est des chapitres là comme ça où en fait bah c'est un des chapitres où je crois qu'on s'arrêtait à ce chapitre-là. Et du coup, je dis aux filles, en fait, c'est mort, en fait. Je lis un chapitre de plus, vous faites ce que vous voulez, mais je peux pas. Je Oh, peux pas m'arrêter. Je peux pas m'arrêter punaise. là. Et au final, on enchaînait, quoi, mais. J'aurais tellement voulu faire cette lecture commune avec vous. Enfin, dans le sens, le découvrir en même temps que vous, ça doit être une superbe expérience d'être à trois là-dessus. Enfin. J'avoue que ça ajoute encore à l'expérience de partager et surtout qu'on a vraiment une sensibilité et des goûts très similaires les trois. Donc c'est hyper intéressant. J'adore Mo qui dit comment je fais pour écrire un mail pro avec tant d'émotions dans mes oreilles. Oui. Oui, ben Marilou, j'espère que si tu décides de le lire, que, bah, que ça va te plaire autant qu'à nous, quoi. Et Elikat qui sort du lurk pour dire que perso, à ce moment, j'ai pleuré. Mais dis donc, vous êtes. Vous pleurez, moi je me rappelle pas avoir pleuré. Bon, après, c'est des Ah, sensibilités moi, je suis différentes, un mais. bébé. Moi, c'est temps, je pleure pour rien. Tu me dis bonjour, je peux fondre en larmes. Alors, Oh. l'autre fois, je veux dire, il y a quelqu'un qui parlait justement de la réunion d'Harry Potter. Genre, le lendemain que je l'avais vu, qui parlait de la réunion d'Harry Potter. Et j'ai commencé à pleurer. Puis, je me disais, Ah. qu'est-ce que tu pourquoi tu pleures? J'étais là, mais non, non, mais on ne parle pas de ça si tu veux. Mais j'étais là, mais non, mais c'est pas grave. Mais je sais pas. L'émotion, elle montait et j'avais besoin de l'évacuer. Je sais pas. Pas Top. chercher. Attends. Pardon, tu sais que avant qu'on commence le live, j'avais fait un petit horaire avec les heures de passage et je sais plus où on en est. Je suis désolée, j'ai pas surveillé l'heure quand on a commencé, mais du coup je me dis qu'on peut C'est pas. passer à ton récent coup de cœur. Ok. Alors, Qui mon est... récent coup de cœur, c'est The Cat Who Saved the Books de Sosuke Natsukawa. Cette C'est un. couverture. Elle est trop chou, mais en fait, vraiment, ce livre, c'est.
juste ouais, la mini-histoire qui m'a amené à ce livre, c'est vraiment ce jour où t'es pas bien. T'es vraiment pas bien. Je sors de l'atelier, j'étais déprimée, vraiment, faut le dire, angoissée. Et ma librairie est vraiment juste à côté de l'atelier, ma petite librairie préférée. Et bah, je me suis dit, bon, je vais aller faire un tour, ça me fera du bien au moins. Juste me balader dans les livres. Et bah, je me suis baladée dans les livres. Et il y a qu'une bibliothèque en fait où il y a du VO. Et bah, je regardais un peu. Et du coup, je vois la couverture, le dos qui est un petit peu pailleté et tout. Et. Et je le prends et je vois ce chat sur une pile de livres. C'est juste... Ce livre m'a appelé dans la librairie parce que j'en ai jamais entendu parler, rien du tout. Et je me suis dit... Juste le chat qui sauvait les livres, quoi. Mais, what, c'est quoi ce truc? Et vraiment, derrière, c'est marqué juste... Grandpa used to say it all the time. Books have tremendous power. But what is that power really? Really? Ah, oh, j'arrive pas à parler anglais, je suis le rhume. Mais vraiment, c'est ouais, que les livres ont beaucoup de pouvoir, mais qu'est-ce que c'est ce pouvoir en fait? Quel est vraiment ce pouvoir? Et c'est juste qu'il n'y a aucune autre explication sur le livre. Ah oui, après, il y a encore. Oui, il y a sur la page, mais je n'ai même pas vu. Bref, mais moi vraiment, j'ai juste vu ça. Je dis bon, vas-y, je l'achète et je l'ai commencé, genre, le jour même ou le lendemain. Et voilà, bref, la petite histoire qui m'a amené ce livre, parce que... Ça arrive, voilà. De temps en temps, tu trouves le bouquin que tu t'attendais pas du tout à lire, tu connaissais pas, tu savais pas ce que c'était, et en fait, c'est ton plus gros coup de cœur. Enfin, pas le plus gros, mais... Le livre que tu vas lire au bon moment. Et exact. Des fois, c'est les livres les plus improbables, comme celui-là ou comme être en pleine déprime en avril, et puis de lire le Tatoueur d'Auschwitz, et pleurer toute mon âme pour ce livre... Mm-hmm. Mais qui m'a sorti de ma déprime alors que c'est le livre le plus triste que j'ai pu lire, quoi. C'est ce genre de fois, des fois t'as un livre qui t'arrive à un certain moment de ta vie et qui te fait du bien. Donc, pour expliquer quand même le livre, on va suivre en fait comment il s'appelle je me rappelle plus comment il s'appelle. Le petit chat? Non, le petit chat n'a même pas de nom. Rintaro, bon, je sais que ça se prononce pas comme ça en japonais, mais vous comprendrez. qui est en fait un petit garçon, ouais, un adolescent, qui a perdu son grand-papa, qui tenait une librairie d'occasion, en fait, de seconde main, où il y avait vraiment des livres précieux, des livres rares. Vraiment, il était réputé dans les environs pour la qualité des livres qu'il y avait dans cette librairie, mais il est décédé et il se retrouve dans cette librairie à pas savoir quoi faire parce que ben, c'est l'endroit où il passait le plus de temps et il n'y avait plus son grand-père. Et un jour, il y a un chat qui arrive et un chat qui parle et qui lui dit viens m'aider à sauver les livres. J'ai besoin d'aide pour sauver les livres. Et qui ouvre une porte dans la librairie, à quelque part, et qui l'emmène, en fait, dans un labyrinthe, ils appellent ça, en fait. Il y a différents labyrinthes qui s'ouvrent quand des livres ont besoin d'être sauvés. En gros. Et à chaque fois, on va se retrouver dans une situation où il y a les vices des lecteurs qui mettent en danger les livres, ou la lecture en général. Par exemple, Je dis, il parle pas de casser les dos ou quoi que ce soit. Mais en fait, pas directement, c'est plus métaphore. Ouais, c'est des analogies, mais il y a un chapitre qui s'appelle The Mutilator of Books. Ah oui, je me rappelle, tu me l'avais envoyé. Tu as dit c'est toi. Envoyé parce que c'est vraiment trop trop drôle. Mais il y a par exemple, bah justement, quelqu'un qui va. Alors en fait, The Mutilator of Books. Je veux pas non plus spoiler et tout. C'est pas juste casser le dos comme ça. C'est de détruire la nature même du livre pour en faire en fait il va y avoir ça. On va pas. J'ai pas envie de spoiler tout, mais c'est par exemple en tant que lecteur, on a tendance à vouloir tout acheter et
conserver et au final jamais lire nos livres. Donc ça veut aussi dire bah ça sert à rien d'acheter des livres par milliers si c'est jamais pour les lire. En fait, il y a des livres ben qui veulent être lus. En fait, ils veulent pas rester là dans ta bibliothèque. Ils veulent être lus. Ou ça sert à rien de trouver des manières de lire plus vite parce que tu perds l'essence du livre. Simplement, ou bah, des éditeurs qui vendent des fortunes des livres sans qu'ils les aient jamais lus. Mmh. En fait, c'est vraiment tout ce qui dénature le livre qui est en fait la façon dont le chat amène Rintaro à sauver les livres. Il les amène en fait envers des protagonistes qui maltraitent ces livres, on dira. Mmh. Et il lui expose une situation. Et c'est un peu... Bah, ils essayent de sauver cette situation. C'est difficile à expliquer sans spoiler parce que c'est un petit livre et au final je pourrais donner les trois situations et une grande partie du livre serait spoilée. Mais c'est vraiment ça, une belle analogie du sous fond fantastique du ouais, des vices autour du livre et de la perte de l'essence de la lecture en fait. Mm-hmm. Et je trouvais ça hyper touchant, en fait, comment c'est écrit, et, sous forme de... Bah, en fait, d'histoire fantastique pour enfants, mais je pense que c'est un livre, encore une fois, qui peut se lire pour... si on a un enfant, on va juste le lire, on va juste... Ah, c'est trop cool, il y a un chat qui va nous amener, le machin, tout ça. Et en tant qu'adulte, on va pouvoir avoir une analyse beaucoup plus profonde. Et, ouais, il sort en VF. Ouais, j'ai cherché... Ah, oh, j'ai cherché tout à l'heure, j'ai pas trouvé. Justement parce que... Trop bien. Bah voilà. Ça, je vais... Ouais, bah merci pour... Parce que j'ai cherché pendant une demi-heure et je n'ai pas trouvé cette information. Je sais pas où j'ai cherché. Mais trop cool s'il sort en français. Il fait envie à Chacha, donc le chat qui sauve les bouquins, il fait envie à Chacha. C'est magnifique. La boucle est bouclée. Ouais. Et je pense que ouais, c'est un de mes plus gros coups de cœur. C'est vraiment bah, déjà la manière dont je suis arrivée à ce livre. Et... Ouais. Et juste, c'est bah, c'était beau, quoi. C'est fou comme des fois, tu sais, cet enchaînement d'événements. Tu trouves le bouquin. En fait, tu associes justement toute cette histoire de... Voilà, t'étais pas bien, t'as trouvé le bouquin qu'il fallait. Tout ça, ça participe vraiment à l'établissement de ton coup de cœur, tu vois. Et on se rend pas compte, enfin, oui, on se rend compte, mais je veux dire, à quel point le mood, justement, dans lequel tu es, va vraiment influencer suivant comment ta lecture. Donc, mais clairement, c'est ce que tu disais par rapport à La Roue du Temps. Ah, si ouais. T'avais lu La Roue du Temps, peut-être à un autre moment, ça aurait pas été le coup de cœur, forcément, que ça a été. Donc, c'est toujours à prendre en compte, je trouve, quand tu fais une chronique ou quand tu donnes ton avis, tu sais, de voir un petit peu si... Est-ce qu'il y avait d'autres éléments extérieurs qui ont fait que soit t'as adoré et du coup t'as un peu influencé dans le bon, ou alors l'inverse, t'as moins aimé parce que tu t'es forcé à lire le bouquin parce que t'es, voilà, tu voulais... C'est important à prendre en considération. Déjà, je trouve qu'on devrait jamais faire une chronique sur le vif. Ouais. Laisser un peu de temps pour le recul. Bon, après, ouais. des fois... Alors, je dis ça, mais quand tu verras mon reading vlog qui va sortir la semaine prochaine, quand tu vas voir le premier clip, tu vas te dire, non, mais cette fille, elle est pas bien, en fait. Genre, je suis une minute en train de sauter devant la caméra, tu sais. Non, mais voilà, t'as le à chaud, et en général, d'ici la fin du reading vlog, tu vois que ça se calme. Ou alors, des fois, c'est l'inverse. Je suis calme au début, puis après, ça augmente, mais... Voilà, moi je suis pas le bon exemple. Oui, mais ça, pour c'est ça. Différent. C'est différent parce que tu fais un reading vlog justement pour montrer ton. L'évolution. L'évolution de ton émotion par rapport et de ta réaction et de ton enthousiasme par rapport au livre. Et ça, c'est hyper intéressant. Mais souvent, ils finissent leur livre, ils font une chronique tout de suite. Mm. Alors moi, je le faisais aussi. Hein. C'est pas une critique. Chacun fait comme il veut. Pardon. Mais je me suis rendu compte que des fois, une ou deux semaines après, j'ai pas forcément le même avis. Ouais, ouais. Et des fois, tu te rends compte que c'était un monstre coup de cœur finalement, ce que t'as lu, et puis au début tu pensais pas trop, puis des fois c'est l'inverse. Ah bah tu m'as dit, c'est qui va... Je me suis raclé la gorge en plus, j'ai pas éternué. Ah, ok. Ah bah du coup c'est parti. Aïe, ça pique. La psychologie. Merci Saphir pour le follow, oui c'est ça. Mais ouais, c'est... Je sais plus ce que je veux dire. Moi non plus. On parlait des chroniques, voilà, de laisser un peu de temps, ça redescende un peu. Oui, tu sais, des fois, t'as un livre, tu te dis, ah bah cool, j'ai bien aimé.
mais que après, pendant une semaine, tu penses qu'à ce livre. Ouais. Pour moi, c'est ça un coup de cœur, en fait. Même si t'as pas cette sensation forcément quand tu le lis, ça peut quand même devenir un coup de cœur parce qu'il va pas te sortir de la tête. Ouais, et que ça. tu vas voir partout des signes de ce livre dans ta vie réelle. Et ça, bah, pour moi, c'est un coup de cœur. Je suis assez d'accord. J'ai le même type de processus. C'est-à-dire que si je pense toujours au bouquin après, les personnages, surtout moi, ce qui me marque le plus, c'est les personnages en général. Ou l'univers. C'est ouais. Si j'y repense beaucoup après, c'est que ça m'a vraiment marqué. Salut Saphir, comment tu vas? Est-ce que quand l'ambiance et les personnages te manquent exactement, est-ce que Sandra, tu as quelque chose à ajouter? Non, pas forcément. Pas j'ai forcément. Top. Parce que du coup, je sais plus, j'avais dit que je finissais à 18h30, mais je sais pas comment on a fait. Enfin, est-ce que c'est possible qu'on ait fait plus vite que ce que j'ai prévu? Je sais pas. Oui, je crois qu'on a fait plus vite parce qu'il me semble que t'avais dit genre on finissait à 18h. Ouais, ou 18h15 et puis après 30 pour... Ouais. Mais est-ce que tu veux parler de notre lecture ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose de manière générale? Sinon on appelle les autres stars du jour. On rappelle les autres. On rappelle les autres. Alors Aronix et Julien, si vous le souhaitez, vous pouvez venir... Quand je planifiais le live avant avec eux, je me suis dit c'est une espèce de révérence après le spectacle. Tu sais, on revient tous sur scène et on fait. Vous pouvez écrire encore, encore. Et en allemand, tu sais, c'est genre en suisse allemand. Tsugabe, Tsugabe. C'est vrai, c'est ça en allemand. Alors. Oui, ça me fait chaque fois rire. Ah là là. Mais oui, du coup, on réaccueille Aronix et Julien, Mr. Macshot. Alors, comment est-ce que ça s'est passé pour vous, ce petit, comment on pourrait dire, ce petit moment de lumière, là, en live, comme ça? Ça a été pas trop stressé? Oui, ça va. Un petit peu pour moi, parce que c'est la première fois que je passe en live et tout, je vais mettre 45 personnes, ah, ça fait ouais beaucoup quand même. Ouais. Oui, c'est vrai que du coup, Julien et Sandra, ils ont l'habitude, parce que faites vous-même des lives, donc vous savez un peu ce que c'est. Mais ouais, c'est alors j'en ai jamais... j'ai commencé il y a 2 semaines, les lives, oui. Pour l'instant, j'ai eu 2 personnes. Hein. T'en fais pas, après t'en auras plus. Voilà. T'en auras plus. J'ai été... Par contre, j'ai été prof, donc du coup, c'est pas la... Ah, t'as été prof. Ah oui, bah alors là, tu dois être quand même... Être... Tu dois être voilà. À l'aise, quand même. Ou plus ou moins. Oui. En fait, disons qu'il y a une bonne raison pour laquelle j'ai arrêté d'être prof. Ah, ok. Parce que je n'étais pas à l'aise. Oh, merci, Saphir. Je te suis sur YouTube, première fois sur Twitch. Eh bien, bienvenue sur Twitch. J'espère que tu aimes la plateforme. C'est assez sympa. Qu'est-ce que... Alors, déjà dans le chat, mais aussi volontiers votre retour ici sur le Discord, sur comment est-ce que c'est intéressant à regarder, à participer. Est-ce que vous recommandez l'expérience? Est-ce qu'on refait? Bah moi j'ai adoré faire, mais je l'avais déjà fait quand tu l'avais fait sur YouTube. On l'avait fait sur YouTube. Je trouve ça génial, ben, comme on disait avant aussi, d'échanger au niveau de la lecture. Moi je peux parler des heures et des heures de mes lectures. Donc, Et au final c'est ce qu'on fait déjà de base, là c'est juste on le fait en plus avec un public. Quoi. Exact. Bah, j'ai beaucoup aimé aussi, ça change la dimension de la manière dont on parle avec toi généralement. Du chat à vocal, ça change totalement la manière dont on perçoit la discussion. C'est vachement plus sympa. Oui, bah c'est alors pour vous c'est plus dynamique parce que voilà vous pouvez participer directement, mais effectivement c'est une autre expérience. Et je sais pas vous, mais moi c'est vrai que quand je regarde des lives sur Twitch, je suis pas tellement du type à beaucoup écrire. Parce que bon, je l'avoue, des fois par pure flemme, des fois je sais juste pas quoi dire, mais même en message sur Instagram, si vous m'avez déjà contacté et tout, vous voyez que je suis pas une très grande bavarde. Par contre, quand c'est de vive voix, alors on m'arrête plus. Hein. On m'arrête plus. C'est pas la même. Ouais, bah, c'est plus facile en fait. T'as vraiment déjà la personne, tu vois son caractère, tu vois son interaction, son dynamisme qui se transmettent beaucoup mieux par voix, vive voix que par texte. Tu vois, moi je suis pour. Je fais partie de ces personnes qui préfèrent appeler un contact plutôt que d'envoyer un message. Voilà.
Alors. Je vois un commentaire de David qui dit oui, mais plus tard, 16h, c'est trop tôt pour ceux qui taffent. Ouais. C'est vrai que moi, j'aimerais beaucoup voir plus souvent tes lives. Et en fait, à chaque fois, je suis tout le temps au boulot. Là, aujourd'hui, ça tombait pendant ma semaine de vacances, donc j'étais content. Mais... ouais, c'est vrai que j'y pense souvent. La raison toute simple qui fait que moi j'ai toujours préféré 16h, c'est parce que je me couche tôt en général. Je suis pas quelqu'un qui reste réveillé très très tard, mais éventuellement ça peut s'envisager, surtout quand on fait des lives comme ça, plus lecture. Je sais qu'il y a toujours une audience plus présente parce que finalement c'est un peu ce qui a lancé le tout, c'est la lecture. Donc éventuellement, je peux envisager de faire, de les faire type à 20h, comme ça. Surtout que c'est des lives en général assez courts, parce qu'on s'attarde... Enfin, c'est pas des lives de 6h, quoi, qu'on voit d'habitude sur Twitch, c'est des lives de 2h. Donc ça peut le faire. Je vous tiendrai au courant pour le prochain, je mettrai peut-être un sondage et tout ça pour voir comment est-ce qu'on peut organiser. Est-ce qu'on peut remettre toutes leurs références, s'il vous plaît? J'ai pas trouvé d'autres mots que références, mais ça fait trop professionnel. Tu veux dire au niveau des réseaux sociaux ou au niveau des bouquins? Parce que bouquins... Bon, quoi que ça va, je peux repasser les images. Mais quand je mettrai le replay sur YouTube, je mettrai aussi les titres, si jamais, en dessous. Mais est-ce que... Voilà, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que vous voulez rebondir sur ce qu'a dit un des invités ou peu importe? Est-ce qu'il y a des éléments? Ah, peut-être un autre auteur qui pourrait t'intéresser, Julien, pour la fantaisie française, c'est Jean-Laurent Del Socorro. Attends, il faut que je le note parce que là, c'est un nom que je ne connais pas du tout. Qu'est-ce qu'il a écrit? Ça me dit quelque chose. Il a écrit Royaume de vent et de colère. Boutica. Ah voilà, Boutica, c'est celui-ci qu'on m'avait conseillé. Ah, j'ai entendu. Du roi, je serai l'assassin. Jean-Laurent, Del Socorro, c'est ça? C'est en deux mots? Oui. C'est Del, plus loin, Socorro. Ok, je regarderai. Merci. J'ai lu Royaume de vent et de colère et c'est vraiment très très cool. C'est très spécial parce que c'est très lyrique et les personnages sont un peu. Pas qu'ils font pas grand chose, mais ils sont vieux et un peu fatigués, quoi. C'est. Ils ont déjà un vécu qu'on découvre petit à petit, et c'est très spécifique comme bouquin. Ok. Ok. J'en prends note, je l'ai noté, j'ai l'impression d'avoir eu 25 suggestions, peut-être que j'ai plus cher, mais donc a priori, là, je suis parti pour lire pas mal d'auteurs français dans le courant de l'année. Ah oui, il y en a. Sachant que je prévois quand même de lire en auteur... américain quand même, de lire Le Porteur de Lumière de Brent Wicks dans le courant de l'année également, puisque ça, je le remets à plus tard depuis un peu trop longtemps. Et il y a pas mal de tomes, hein, sauf erreur. Il y en a 5, je crois. Oui, alors, on redemande vos réseaux sociaux et chaînes et tout ça. Est-ce que je peux vous demander de vous mettre vous-même vos références pour Daya et puis pour tout le monde en fait, pour Chacha aussi. Et puis Mo, elle dit, faut se connecter au boulot, voilà. Non, je plaisante. Oui, Sandra. Non, je disais en auteur français aussi. Alors, je sais que son livre le plus connu c'est Calam, mais il y a Paul Bearn. Mais moi, bon, un énorme coup de cœur que j'ai eu, c'était Le Septième Guerrier Mage. De plus en plus j'ai envie de le relire parce que je sais pas, il me revient en tête je pense une fois tous les deux jours, je sais pas pourquoi, mais qui est vraiment vraiment très bien. Donc si vous cherchez des auteurs français de fantasy, ce serait trop bien de faire une espèce de, j'y pense maintenant comme ça sur le tas, mais de faire une espèce de liste, type un Google Doc, où en fait on le mettrait par exemple sur le Discord, et puis on met plein de recommandations, quitte à ce que chacun, lorsque vous avez fait une super lecture, vous faites une mini chronique, mais je veux dire, ça peut tenir sur 3 lignes, juste des mots-clés comme ça, est-ce que ça serait intéressant, vous pensez? Comme ça, quand on cherche des recommandations, on peut aller voir les recommandations du Discord. Ça va être cool, ça. Ouais.
Je note quelque part, j'y pensais parce que je me dis si quelqu'un veut par la suite retrouver tout ce dont on a discuté. Je marquais une liste non exhaustive. et j'ai pensé à un autre truc et j'ai oublié, c'est pas trop grave. Je sais plus, c'est pas grave. Alors, est-ce que un dernier mot, une dernière pensée? Ultime bafouille. Hein? Une ultime bafouille. Ouais, une ultime bafouille. Ben, juste merci à toi, Michaela, parce que c'était très sympa. Et puis tu fais un super travail avec cette chaîne et cette communauté. Donc, Mais merci à vous d'être sub sur Twitch, merci à vous d'être Patreon. Vous êtes incroyable, comme je vous l'ai déjà dit. Et c'était un pur moment de plaisir, j'ai pas vu le temps passer. Et en tout cas, à refaire avec d'autres invités pour la prochaine fois. Ça va être chouette. Et puis, encore un grand merci pour toutes vos recommandations. Merci aussi le chat pour la participation. C'était top. Et puis, du coup, je vous dis au revoir. Merci encore. Au revoir. Plein de bisous. Au revoir. Merci. À bientôt. Bye. Bye. Merci. Et nous revoilà ensemble, nos petits spectateurs. Hop, je vais du coup conclure ce live qui j'espère vous aura plu. Puisque, comme j'ai dit, je compte en refaire. On verra encore pour les horaires, tout ça. Je vais mettre ce replay sur YouTube. Donc si vous me voyez depuis YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire au fur et à mesure du live. Un étirement, c'est une très bonne idée. Aussi, à mettre un petit j'aime, à me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, à venir sur Twitch pour voir le prochain live. Et si vous souhaitez vous-même participer, vous pouvez soit devenir Patreon, vous pouvez soutenir la chaîne avec n'importe quel montant à partir du 1er janvier. Maintenant, c'est vous donnez combien vous voulez. Ça peut être 1 euro, ça peut être. Je sais pas si on peut mettre des centimes, je crois pas, quand même pas. Mais vous pouvez ensuite rejoindre le Discord. Et pareil, si vous voulez plutôt devenir sub sur Twitch parce que vous êtes un viewer régulier ou régulière, vous pouvez devenir sub, accéder au Discord en cliquant sur le petit panneau juste en dessous. Et vous verrez dans le Discord. Et là, c'est là où je demande qui veut participer. Je demande toujours un petit peu à la dernière minute. Pas hyper organisée la fille, mais je demande qui veut participer. On s'organise. Et c'est aussi simple que ça. Voilà. Et il faut vraiment pas stresser, comme vous voyez. Cette fois, j'ai pas proposé de mettre la webcam parce que je me dis peut-être que les gens sont plus à l'aise sans webcam, juste en parlant. Vous pouvez être affalé dans votre canapé comme Sandra l'est. Je suis sûre, Sandra nous dit « Ah, c'est bon, je vais pouvoir être sur mon fauteuil, ça va être trop bien. » Pas de stress. C'était vraiment juste une discussion, comme on pourrait l'avoir sur n'importe quelle... pas n'importe quelle plateforme, mais en IRL. Voilà. Mais c'était vraiment chouette. Voilà. Top. C'était trop bien. Ah, je suis contente que ça vous a plu. Tu me tues. Qu'est-ce qu'il a dit, Marco? Mais je sais que je sais quoi. Super. Alors, pour conclure, bon, vous allez pas vraiment me voir. Faut que je règle mon problème de luminosité. Hein. D'habitude, c'est comme ça, mais avec une lampe. Là, c'est mon écran qui fait office de lumière. Je vais voir qui c'est qu'on peut raid. Qui c'est qui est en live? Je crois qu'il y a Sweet. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir Sweet. Voyons. Ah non, il n'est pas encore en live. Est-ce que Foxy est là? Elle nous dit si Sweet il est bientôt en live. Sinon, je vous avoue qu'il n'y a pas grand monde que je suis d'habitude. Hop. On a de l'art. Une personne que j'ai suivie une fois. Ou si vous avez des recommandations, je prends. Hein. Pas de soucis. Oups là. On voit plus. Ah, 18h30. Ah, RIP, c'est juste pas la bonne heure. RIP. Parce que oui, ce soir, je fais à manger. C'est moi qui fais à manger. C'est pour ça que je finis un peu plus tôt. Enfin, j'essaie de pas trop tarder. Je fais des quesadillas. Comment on dit, Binou? Quesadillas. Je sais pas prononcer. Et ce soir, avec Binou et mes parents, on va jouer à House of Ashes, le jeu, vous savez, de Dark Picture Anthology, le génératif avec les différents choix. Et en fait, il y a un mode qui s'appelle Movie Night, et chaque
personne incarne un personnage et en fait on se passe la manette et on va jouer à ça. Puis je me réjouis trop parce que mes parents ils sont pas du tout dans le jeu vidéo, mais je pense que c'est le genre de jeu qui pourrait leur plaire. Et puis ça se regarde comme un film aussi, donc on va faire ça, ça va être trop cool. Il y a l'Anfi, oui, bah tu m'avais. Mais attends, pourquoi j'avais follow, non? Pourquoi je la vois pas? Ah oui, bah pardon. Ah oui, bah je vais aller chez l'Anfi. Qu'est-ce qu'elle fait? Radio Pirate. Ah, c'est de la discussion. Je ne sais pas. Il y a Build Up. Fantastique, est-ce que je t'ai dit bonjour? Je crois même pas. Je t'ai vu et j'ai oublié de te dire bonjour. Comment tu vas? Je t'ai vu plus haut. Oui, va faire des cookies, Aronix. Ça marche trop cool. Build Up, qu'est-ce qu'elle fait? En vrai, on peut essayer. Je suis pas sûre qu'elle se rappelle de moi. Mais on peut essayer. Oh, Namelia, House of Ashes. Attendez, vous avez trop de bonnes recommandations, du coup, je... Est-ce que ça fait longtemps qu'elle a commencé? 14 minutes. Ah, ben magnifique. Ah, ok. On va aller chez Namelia. Faisons ça. T'en fais pas, Foxy, j'ai compris. Ça va bien, Fantasti, merci. Alors, faut juste que je prenne le pseudo. Hop, c'est parti. On fait un petit raid. Vient de démarrer, bah c'est parfait. Merci, Foxy, pour la recommandation. L'Anfi, je suis pas trop sûre, et vu les discussions, j'aime bien quand c'est un peu soit du jeu, soit des trucs assez chill. Allez, on va chez Namelia. Hop, je lance le raid, comme ça j'ai le temps de vous dire au revoir et de vous quitter. On se retrouve, les amis, on se retrouve quand? Ben lundi. Je sais pas encore ce que je vais faire, il y a des chances que je fasse un petit jeu comme la dernière fois, un truc sympa. Et peut-être que vendredi prochain on se retrouvera pour encore des discussions livresques. Bonne soirée, voilà, merci tout le monde. J'espère que c'était un bon stream. J'ai vraiment hâte de vous retrouver lundi. Et je poste une vidéo demain sur YouTube. C'est une vidéo courte. 8 minutes 30. Waouh! Et un pur plaisir. Encore merci à tout le monde. Vous êtes incroyables. Bonne soirée. Et merci encore Lyra pour le don, pour tous les subs, pour les follow. Bienvenue à tous les nouveaux. Et des bisous. Des bisous et bonne lecture. Bye!